Mail avec Yuri. Ah mince, je sais plus moi. Ah là, il est terrible. Oh là, Il est attends. terrible. Aïe! Il est terrible, il est affreux. Alors. Je devais être bourré quand j'ai fait cette adresse mail en vrai. Est-ce que C'est tu l'as pour ça retrouvé du mort. coup? Ouais. C'est Kirito ou Chiwa. Mais c'est pas ton. Là C'est là. pas ton adresse mail japonaise ça? Non. J'en avais une autre. J'en ai D'accord. plusieurs des trucs, mais il y en a qui sont utilisés depuis 1000 ans. Par contre, maintenant, faut que je me souvienne du mot de passe, quoi. Kirito Uchiwa. Ouais. Oh, mot de passe incorrect. Oh. J'espère vraiment que j'ai le souvenir. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être, mon mot de passe? Je mets le PVP ou je l'enlève? PVP joueur contre joueur. Oui. Oui, player versus En player. gros, on peut se taper entre nous, quoi, non? Oui, c'est ça. Non, ça c'est bien. Ah putain, je la connais. Attends, oh, j'ai réussi! Bah. Mine de rien, faut noter qu'il y a du sang qui D'accord. fait, quoi. Destruction par créature, je le mets ou pas? Hein? Destruction par créature. Ouais. Je le mets ou pas? Bah histoire qu'on se fasse tuer par des créatures. Non, que par exemple si un creeper explose, ça fasse exploser la maison quoi. Ah non, ça c'est chiant. D'accord. Oh, quoi que. Bon, c'est comme tu veux. Non, bah du coup tu m'as dit que c'était chiant, du coup je l'ai enlevé. Ah ouais, c'est chiant, parce que t'imagines, toi, on fait notre maison et tout tranquille, et là, bam. Lorsque cette option est activée, les joueurs réapparaissent immédiatement. Oh, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Mais du genre, ça nous fera Ah! apparaître. Ouf. Bon bah je peux pas pour l'instant. Destruction par créature, apparition de créature, ressort Je peux pas sur Oui bah j'y suis allé sur un peu YouTube dans hein, le pour gameplay à l'instant. peu près de toute Pourquoi? façon. Parce que là comme moi j'y suis Parce que du parti, coup vu que je ça suis va vient d'être perso activé, parce qu'ils n'y avaient pas fait encore, ils disent que l'activation de la diffusion en direct prendra 24 heures. Et une Ah, fois la d'accord. fonctionnalité activée, après je pourrais passer en direct. Bah du coup tu stream Twitch Enfin, maintenant? ça... Ouais. Tout à fait. Ils ont enlevé joueur de confiance, je suis déçu. Ah bah attends, je peux finalement? Attends, je viens de cliquer sur YouTube et ils me disent que... Bah ouais, attends, je vais tester. Titre. Salut Malicious. J'aime bien ma description. C'est vrai? Je l'ai pas vu. De quoi? Joueur de confiance, je l'ai pas vu. Salut à tous et à toutes, je me prénomme Damien, alias Airy. Mon but est de vous faire découvrir des jeux vidéo peu connus ou des coups de cœur.
N'hésitez surtout pas à faire un tour sur la chaîne. Bon visionnage à tous et à toutes. Tu peux mettre en combien sur YouTube? 720 haute, 720 standard. Je vais juste mettre 720 standard, ça peut être bien. T'as combien de VMO avec ta box? Ouais. Si tu veux. Bah aucune idée, vraiment. Ah, t'es dans le savoir pourtant. Si tu veux streamer, t'es dans le savoir. Il était dans le premier truc, pas dans le deuxième. Oh merde. J'ai pas... Attends, on va aller voir ça tout de suite, Antoine. Donc, notre cher Roxas arrive. Oh. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur cette VOD sur YouTube. Joueur de confiance. Ah yes, non. En effet. Et alors aujourd'hui, on va commencer une toute nouvelle aventure. Je vais peut-être baisser un petit peu le son, par contre, du jeu. Bah, écoute, t'es sur YouTube, là. Je sais pas. Comment? Bah, apparemment, écoute, hein, on verra bien. C'est un ah, test. Ah, bah, parfait. Is a test. C'est la allez musique go. Que je vais baisser, pas les sons des creepers et tout, parce que ça, c'est important. Voilà. Je vais quand même la mettre 30%, c'est bien. Du coup, histoire combien? Bah, je t'invite. Je t'invite. D'accepter l'invite, ça quitte pas non plus le. Le quoi? Le stream? Ah non, du coup. Non, ça te suspend. Enfin, ça te suspend. Ça te met juste un écran bleu pour les viewers et toi, tu. Ils t'entendent toujours en fait. C'est juste l'image qu'ils ont. D'accord. Pas. Oh! Bon, j'ai mis 720 standard, écoute, on va voir. Yes. Ah oui, tu es là, je te vois. Ok, c'est bon, j'y spawn. Ah. Est-ce du que coup... j'ai quoi comme skin, moi? Une femme d'affaires. Attends, je vais changer de skin. Ah ouais, maintenant je vais changer du coup, moi. Il me faut un bon sur skin. L3 si tu vois ton skin. Ouais. Voilà. Du coup, mode de jeu survie. Et moi du coup mode de jeu survie. Voilà. Putain, j'avoue qu'il est dégueulasse ce skin. Dégueulasse, par contre. Ah non, c'est le haut bas qui merde. Le bas il est pas assez rapide. Je vais être un cowboy. Bon. On dirait Woody. Il y a un serpent dans ma botte. Waouh, par contre, attends, c'est pareil, je vais changer la sensibilité. Si je peux. Oui, tu peux. Tu vas dans options, aide options, bon. Paramètres. D'accord, ok. Je ferme ma gueule. 150. Voilà. Ah, c'est bien mieux. Ouhou, ça fait longtemps. Grave. Le problème c'est qu'on est vraiment popé dans le pire endroit parce qu'on a absolument des mouchons. C'est, il devient tout fou. Surtout que j'ai l'impression qu'on n'a pas spawné. Oh, il y a un lama. Et quelle est cette sorcellerie? Il y a un lama là-haut. Un alpaga. Viens ici l'alpaga. Non mais. Trop bien. Je sais même pas où il est en vrai. Et là, regarde. Attends, en haut. Attends, je crie pour que tu puisses me repérer sur la map. Ah! C'est pas le même jeu. Est-ce qu'il peut me cracher dessus? Ah, il m'a craché! J'adore ce jeu. Il m'a craché à la gueule. Voilà. Oh, des bébés! Non! Oh, des bébés alpaga! Il y a des bébés lama, oui, j'en ai un à côté de moi là. Qui me regarde avec son air de tout son orgueil. Avec son nez de cochon là? Ce cochon. Oh, excellent. Ah oui, il a un nez de cochon. Excellent. Excellent. Oh, Minecraft, c'est le meilleur jeu. Bah un peu, hein. Indétrônable depuis 1958. Ça me rappelle Code Jordan qui avait fait sa toute première vidéo sur Minecraft. Ah ouais. Je trouve ça l'a raté tout à vite cette vidéo. Ah. Non, parce qu'en fait, notre cher Yannou ne comprend pas le principe même de Minecraft en fait.
Le principe d'accord. de jeu de Minecraft, il ne comprend pas. Et du coup, il était là, bah, il comprenait rien de ce qui se passait. Du coup, il traînait sur la map, il fait bon, bah, la gueule, qu'est-ce qu'on fait et tout. Puis au bout d'un moment, il s'est tapé un gros fou rire. Parce que justement, bah, il y a rien qui se passait en fait. J'étais mort de rire. Ah bah, quand on connaît pas et tout, bah, c'est vraiment la pure exploration. Comment on fait comme ça? Totalement. Pure exploration. Il y a pas aussi maintenant des dauphins ou des trucs, il me semble. Il y a des gardiens. Mais les dauphins, pas encore. Oh, franck. Attends, on voit les fonds marins maintenant. Oui. C'est trop bien. Oh, Minecraft, il a trop changé comme jeu. Ça a trop changé. De fou. Alors, attends. Oh là, il faut que je m'y refasse. D'accord. Alors, ouais. pouf. Merde, putain, je suis rentré exactement là. Mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Attends, ils ont rajouté des objets. Ouais, putain. Bonsoir, Créart. Ou genre la musique. Créart, je pense que c'est dit comme ça. Il y a un échafaudage. Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, j'ai créé une table de craft. On peut faire des échafaudages maintenant. Ah, tu vas repasser sur le truc. Oui, alors fais start. Trop bien. Oh, il y a des nouveaux coffres et tout. Ah, mon cher Roxas. Ah, ouais. Va sur start, tu fais aider option. Le micro de Sora, parce que je vais ouais. Le micro pour avoir. Tu fais paramètres. Ouais. Interface utilisateur, pardon. Ouais. Allez, tu vas tout en bas, il y a fabrication classique, le dernier truc à cocher. Pourquoi? Pourquoi faut que je le coche? Tu vas comprendre. C'est coché? Ouais. Vas-y, va sur ta tête de craft. Ah. Ouais, mais du coup, on sait pas les trucs qu'il faut pour construire et tout. Bah, moi je les connais, hein, parce que j'ai l'habitude du jeu, mais. Toi, après, oui, si tu veux vraiment les découvrir, enfin les redécouvrir, du moins. Et bah, dans ce cas-là, reste sur le truc normal. Y en a des nouveaux, quoi, donc. Pas mal. Y a des trucs de nouveaux quand même. Je te jure. Des fiches pâtes mouettes, ouais. Putain, mais. Bon, on se retrouvera, ouais. Hein. Je suis au-dessus de toi. Hein. Ah, d'accord, ok. C'est quoi ce bloc? C'est du granit? Ah non, c'est du gravier? Non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être de l'andésite. C'est du granit. Ah, du granit, d'accord. Il y a du granit dans Minecraft. Il y a Malissus qui te trouve trop chou parce que tu redécouvres le jeu. Mais de fou! Moi je l'avais abandonné parce que ça m'avait gavé parce que j'ai un seul trophée qui me prend le platine. C'est lequel? Et le trophée en fait il s'avère qu'il est totalement buggé, je peux pas le finir du coup. Lequel? C'est passé 100 jours dans une map. Et oh, je l'ai rajouté ce trophée. Et je peux pas du coup parce qu'il est entièrement buggé. J'ai regardé sur des forums et ils m'ont dit bah désolé mais. C'est juste pour buggé, ça que t'as quitté le jeu? Juste pour un trophée t'as quitté le jeu? Non mais parce que j'en avais fait le tour, j'avais plus rien à faire. Ah ouais, jouer avec des amis, tenter des jeux hachés, des trucs comme ça, non. J'ai pas d'amis de base sur ouais, Minecraft. Y a masse bouffe. Bah moi tu m'as, hein, écoute. Ouais, mais tu jouais pas trop. Maintenant c'est bien. Je savais pas que tu voulais y rejouer un petit peu. Donc... Bah c'est mieux sur PC quoi. Mais... Ça fait plaisir. Oui non. Hein. On va pas se mentir que sur PC c'est sympa, mais. Yo Roméo. Ah, c'est pas si fou que ça au final. Alors, je le trouve pas trop chou, je me fous juste complètement de sa gueule. C'est pas gentil, hein. La gratuité. Moi j'ai un cœur. C'est la déesse de la timidité qui dit ça, hein. Ah non, mais la gratuité quoi. Je suis encore plus réservé et... Ah non, mais pas plus qu'elle, pas plus qu'elle, je te jure pas plus qu'elle. Oh. Elle c'est. Moi j'aime pas les gens. Hein. Elle c'est même pas un cap, c'est une péninsule, elle, tu vois. La guerre. Tu vois, parce qu'en fait, elle regarde tous mes streams, mais elle ne parle jamais. Du coup, là, vu comme elle sait qu'elle est toute seule sur mon stream, bah elle parle. Mais tu vois que s'il y a une personne qui va parler, bah pff, elle va se taire. Plus rien. Du coup, oui, je me fous de sa gueule. Si elle... Alors, si on tue le lama, qu'est-ce qui se passe? Le lama, quand il tape, il a des cœurs. Ça te... Oui, c'est normal, c'est le nombre de vies que tu lui enlèves. D'accord, je suis totalement nouveau. C'est quoi qu'on arrive?
Par contre, j'ai masse bouffe. J'ai masse bouffe. Je vais tuer un maximum de moutons pour me fabriquer un lit, mon gars. Ouais, c'est pas très vegan. Non, il y a Roméo et Créatarte. Oui, bah je suis désolé, mais ils parlent pas beaucoup. Hein. Ça compte pas réellement, on va dire. Alors, si vous vous demandez pourquoi je saute pour taper les mobs, c'est qu'en sautant, vous affligez des coups critiques. Du coup, il leur faudra moins de coups pour mourir. Ça pose une question que personne ne se pose. Oui, c'est mon professionnalisme de Minecraft qui parle là actuellement. Je retourne sur le jeu, j'ai pas perdu cet réflexe. Mais ta gueule. Non mais où? Ça a changé. Toi, un lama qui fait le bruit d'un chien, quoi, je te jure. Ah, donne-moi ça. Au mieux, ça qu'un chien qui fasse du bruit d'un lama. Le chien qui te crache à la gueule, tu comprends rien ce qui se passe. Bon, par contre, j'ai masse. Ah, oh, mais il y a une grotte là, nickel. Non, ah, ça je prends. Il y en a trois. J'adore le bruit de la vache. Yeah. Je te jure. Ça y est. Il va passer une très bonne soirée là. Oh putain, il y a un chien, faut que je fasse gaffe. Tac, oh. Bon, ça déjà. Alors, comment je fais? Oui, merci. La ronge, ça je sais. Merde. Donc... Alors, est-ce que d'ailleurs ils l'ont transformé en arme? 3. Ah oh, oui, j'ai l'impression. C'est à moi. Bon, j'ai masse bouffe. Du coup, je vais commencer à hop, descendre. Roxas Fake dans nos allées directement. Doivent dormir. Dans leur lit au même endroit. Oh non, c'est différent. Non, ils ont changé ça. T'as pas fait un lit? Attends, j'en fais un. T'as de la laine, c'est bon? Oui, non, mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Tu sais, moi je suis déjà dans le nether. Hein. Voilà. Moi j'ai dû leur faire peur, les pauvres. Totalement. C'est quand tu veux hein, pour aller dans ton lit. Hein. Ah. Et vous? Et ils sont dormis, le cœur paisible. Mais et il commente absolument tout ce qu'il fait ou voit. Ça me fait beaucoup trop rire. Ah bah, c'est vrai que ça, il est content. Ouais, hein. Caillou. Oh dieu. Je prends ma pioche pour casser ce caillou. Oh non, mais je te jure. Dis donc, t'auras pas une tête de roche. Je te jure. Salut, Funicole. On a pas le temps de tuer. Si je prononce bien ton pseudo, bien évidemment. C'était Ramini. Ouh, alors, j'entends des mobs. Par contre, ce que je vais faire, un c'est ça. J'espère que t'as fait ça, je vais commencer. Oh là là, le style de ce perso, mec, le style. Il fait deux coffres d'affilée, ce qui donne un seul coffre. Et ça, c'est exceptionnel. Ah, merci. Mais en fait, il y a un creeper qui a pété. Ah oui, j'ai remarqué, je me suis mangé. Sapristi. L'autre de loin, j'entends un. Je me dis merde, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, ça y est, fait le con. Qu'est-ce donc? Alors. Recratart. Regarde, okay, il y a Funicole. Ouais, mais combien de temps il va rester? Tu vas lui faire peur. Merde. Il combien ne le savait pas encore, mais plus qu'une aventure, une épopée qu'ils allaient vivre. Et tout cela, bien évidemment, en compagnie de Sora. Son plus fidèle compagnon qui, malgré le désarroi, s'aventura dans les plus profonds de la grotte. Comment ils ont fait? Ah, ils sont trop mignons, les bébés, là-bas, là. Allez, meurs. Meurs, bébé, là-bas. J'ai l'impression d'entendre Malicieux, quoi, c'est terrible. Il est mort, et sa mère, elle dit rien. Ah, faible. Faible que tu es. Meurs par mon épée. Oh, des loups. Ah, les loups. Alléluia. Pardon. Attends, si je veux. J'étais obligé de la faire celle-là. Bouh, je fais très peur. Ouais, je fais peur. Non, je vais... Alors mec, mon objectif, ça va faire de faire la plus grande armée de boue. Oh non, tu vas faire laguer le jeu. Fais pas ça. Pierre. Ton Pierre. Ah voilà. Un four. Pierre feuille canin, c'est ça. Un four. Je pense que c'est avec les contrepoids. Bien entre. Quoi? Attends. Hop. C'est bien hop. Ça qu'il faut pour ça.
Je tiens à préciser qu'on joue en coop, hein. Je dis ça, je dis rien. On joue en coop, peut-être pas du tout ensemble. Au sang, mes charbons. Mais j'ai sauté. Une fille passionnée de gymnastique. Salut à toi. Sauté, moi, le meilleur pseudo. Elle va pouvoir sauter. C'est le meilleur pseudo que j'ai sur ma chaîne. Une fille passionnée de gymnastique. Oui, non, parce que j'ai d'avoir le viewer avec le meilleur pseudo que j'ai jamais vu. Ah Yuna s'en fout, elle est partie dans son jeu. Je kiffe ton pseudo. Le père à la chute, c'était avant. Alléluia. Alléluia. T'as vu ça? J'en peux plus. T'as vu, elle était bien ma blague. Hein. Ouais, je suis fier de moi. Oh, du gravier. Attends. C'est quoi ça en blanc? Du coup, est-ce que j'ai récupéré? Non, il me manque deux pierres. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc deux pierres, hop, on va refaire un four. Du diorite. À quoi ça sert donc le diorite? Ah, diorite. Strictement rien du tout. Mais c'est joli, le diorite. Arrête. On aurait dit le nom d'un dieu grec. Je suis diorite. Ok, non mais je kiffe ton pseudo en vrai. Je l'ai pas fait fuir, tu as vu. Oh putain. Non mais t'entends ou pas? J'ai le viewer avec le meilleur pseudo ever. Ah bon, pourquoi? Une fille fan de gymnastique. Bah je kiffe. Bah ouais. Je kiffe son pseudo. Tu sais, elle rejoint la longue clique de saucisse au beurre, poulet pirate, oui, capote, enfin tu vois, tous les viewers comme ça que j'ai rencontré. C'est vrai. Bah merci. Alors il y a un autre message, oh miracle. Malicious, c'est terrible. Putain, t'es la pire, Mali. Mali est en train de tester ses compétences pour pas faire fuir les les viewers. Mais je pense qu'en faisant ça, tu risques vraiment de les faire fuir, en fait. C'est quoi ce stream de malade? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, moi, j'ai masse bouffe, hein, si tu veux. Ok. Du coup, si t'es affamé, tu viens me voir. Je te nourrirai. Attends, pourquoi je préfère mieux de la pierre que que dans des... Je te nourrirai. Quoi? J'ai entendu un truc parler. Ah! Peut-être Herobrine. Ah! Oh! Qu'est-ce donc? Tu connais pas Herobrine? Ben si, avec ses gros yeux bleus, blancs. Et... le jeu a planté. C'était presque ça. Tu l'avais presque. Alors. On va partir, hop. Mais je vais aller en même temps, genre normal, hein. Donc, du coup, tout va bien dans ma tête, juste un phénomène appelé couramment fatigue. J'ai un. Bah, je crois qu'elle a fui. Je pense aussi qu'elle a fui. Un inhibiteur est apparu. Légendaire. Il le fait tellement bien en vrai. Oui. Ouais, je vais trouver ces putains de meubles. Un creeper vous a tué. Attends. Bah, il y a des fêtes. C'est toi qui es calme. Tu vois ce que ça fait quand je parle? Bah, tu vois, elle toujours là. Non, mais vous êtes un peu bizarre, je me demande où je suis venu. Sur un stream de YouTube, hein, voilà où tu es venu tout simplement. Sur le stream. Mais c'est juste qu'on en profite à un max quoi, c'est qu'on se marre bien. C'est tout. Merde, putain, mais je me bords de touche. Oh tiens. Je les veux, hein. Je veux les mobs. Bah, et si on se marre bien, c'est qu'on en profite quand même, non? Ouais, mais on profite pas de Max. Je connais pas moi. Attends. C'est qui celui-là, non mais oh. Qu'est-ce donc cette salonnerie? Quelle est cette sorcellerie? Qui est donc cet hurluberlu? Viandre! Ouais, mais avec qui? Bah, entre moi, Mali, Roxas. T'inquiète, t'inquiète, je parle pas tout le temps. Là, elle parle parce qu'elle pensait être seule en fait. Mais sinon, t'inquiète pas s'il y a les autres membres de la Gravity Team. La Gravity Team étant mes modérateurs. Si les autres membres de mes modérateurs, elle ne parlera pas du tout en fait. Tu verras. En fait, c'est une fille qui me stalk, mais sans parler. Elle regarde tous mes streams, mais sans parler. Ah, ça c'est Oui, 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 oui. Mais tu sais
Hein? Tu sais que j'ai un humeur pareil. Ouais? Ouais, j'ai. Mali, a priori, t'es pas seul au monde. Y'a Love to Love qui parle et tout, et j'ai un deuxième humeur. À chaque fois, il est là. Ah! Mais en fait, j'ai un peu peur de voir que c'est moi. Mais gosh! Sur un autre écran. Oui, alors si tu regardes ton stream, ouais, ça t'ajoute un viewer. Oui, mais non, mais comme ça. Je sais pas si ça compte en tant que viewer. Je sais pas, t'as combien de viewers? Là, j'en ai deux. Donc, tu comptes point. Hein? Tu comptes point, hein? C'est comme tu regardes ton stream. Putain, j'ai trouvé un 9 mètres carrés, gros. C'est génial, quoi. Mais attends, je vais me mettre là-dedans, moi, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge qui sort de l'eau, là? Qu'est-ce donc? Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a des trucs, mec. Il y a des poissons qui tuent. Ah, d'accord. Oui, bah, faut lui dire, si tu veux, que j'arrête de regarder. Non, mais vas-y, regarde. Passe le bonjour de ma part à Youyou. Youyou, t'as le bonjour de Roméo Tosi. Bah, tu lui as dit que s'il a envie, il peut venir sur Twitch. Alors, oui, je fais une petite promo. Il y a ma femme, donc Youyou, comme tu l'appelles, qui est en train de streamer sur Twitch. Et là, qui, si j'ai bien compris, va partir sur Spyro. Bah, oui, parce que mon jeu, il a crash. Bello, ouais. Ton jeu, il a crash. Oui, mon jeu, il a crash. Il a crash Bandicoot. Ah, oui, il a crash Bandicoot. Mon jeu, il a crash. Alors, eh, tu l'as entendu bon, rigoler, mais elle a pas rigolé de ta blague. je sais, je m'en doute. Il est trop beau. C'était bien pourtant. Oui, non, mais je voulais, t'es bien. Mais bon. C'était quoi la blague? Je rigole. Ah, il a crash Bandicoot. Elle a rigolé. Je regarde YouTube. En fait, tu fais Twitch, YouTube. Bon, c'est pas tout, mais moi j'y vais bientôt. Pas de soucis, une fille passionnée de gymnastique. Franchement, ton pseudo est trop long. Je vais t'appeler Jim. J'ai pas Twitch et j'aime pas. Ah bah le problème c'est qu'elle est que sur Twitch en fait. Moi j'ai décidé du coup faire mes streams sur YouTube, mais elle va faire que des streams sur Twitch maintenant. Du coup si tu veux la suivre, bah t'as pas spécialement le choix en fait. T'es obligé d'avoir Twitch, mais après je peux comprendre. Twitch, c'est vrai que moi-même quand je regarde Twitch avec mon téléphone, ça lag pas mal. Malheureusement y a pas le choix, donc c'est... après c'est ce que je t'ai dit, si tu veux vraiment suivre Yona, t'as pas le choix, t'es obligé d'aller sur Twitch. Wally wally. Putain. Oh, cette violence! Oh, cette violence envers elle-même, c'est terrible. Tu sais, parce qu'elle a dit que Spyro était d'une couleur différente de ce qu'il est vraiment, quoi. Mais c'était le petit dracouvert, bah, il est violet. Pas vert, il est violet! Il est pas vert! Bah, il est violet, il est pas vert dans le jeu! C'est Spike hein, qui est vert. Hein. Elle a pris la drogue. C'est Sparks! Oui, c'est Sparks! Parce que Sparks ça veut dire étincelle! Oui, bah c'est Sparks! Sparkus! Attends, de quoi on parle? La libellule de Spyro, il s'appelle comment? Il s'appelle pas Spike! Bleu! C'est pas Sparks! Et il est jaune, bleu, vert. Il s'appelle W. Non, mais c'est vrai qu'il parle comme ça en plus. Alors, c'est vrai que Spark, il parle comme ça. Pour moi, c'est Spike. Hein. Non, c'est Spark. Je rejouerai ce PS2, mais pour moi, c'était Spike à l'époque. Mes jeux, là. Je confirme. D'accord, ouais, mais c'est presque incompréhensible. De quoi? Les DRK setup ou. Je te jure. Ah, pour moi c'est Spike, hein, vraiment. Bah tu verras. Bon, bah ouais, je te crois. Des bisous et puis on se retrouve. Donc ça j'en ai pas besoin, ça faut que je le fasse cuire. Je veux qu'il soit vert. Bon, des bisous à vous pour ceux qui regardent le live en rediff. Ça, ça me fait. Hop. Il fait nuit dehors ou pas? Et bonne soirée, bonne journée. Oui. C'est dérange si on dort? Non, faut que je retourne en haut. Yep. Yop. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire, une porte. Spike, c'est le prénom d'un personnage de manga, tu sais, le policier. Voilà. Ça me dit rien du tout. Non, là, on parle de la libellule de Spyro. Spyro the Dragon. Bah, ça, c'est libellule. C'est libellule. Non, mais justement, le nom de la libellule, comment elle s'appelle? Bah, le nom. Elle a pas de nom, c'est un animal, elle s'appelle libellule. Putain. En fait, faut mettre le CD. Bah, oui. C'est comme un Pikachu qui s'appelle un Pikachu, c'est ça? Bah oui, exactement, et puis même une vache c'est une vache, un taureau c'est un taureau, un chien c'est un chien, attends. D'accord, et dans ce cas-là, toi t'es un humain en fait. Toi t'es un humain qui s'appelle humain. Ah oui. D'accord. Oui. On devrait. Voilà. Parce que son pseudo c'est Roxas, mais il s'appelle humain, c'est son vrai prénom. Hein. Il s'appelle humain masculin. 008512000. Il s'appelle humain masculin, c'est son. C'est son nom de famille. Je suis un mâle. Oui, je suis sexiste. Non, t'es pas sexiste du tout. Si, je suis sexiste. Tu te calmes. D'accord. Ouais, tu te
tout calme. Tout tout calme. Ah, il arrache quitte de ma blague. Non. Attends, elle a réellement une déco là ou qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? T'es toujours là? Ah, toujours ah là, mais non, faut pas me virer comme ça, moi. Mais je t'ai pas viré, c'est toi qui arrache quitte de ma blague. Comment on appelle quoi? Comment on appelle un rat sans queue? Attends, laisse-moi réfléchir. Attends, un rat sans queue. C'est pas drôle. T'as un sans queue dans ce cas-là, pas un sans tête. Ah, mais j'ai pas de cœur. Y'a pas de queue. Y'a pas de queue. Un rat sans queue. Ça sent long. Je sais pas, mais une souris, ça a une queue quand même. Tu veux savoir où que ça se maintenant ou tu veux encore chercher? Bah vas-y, lis. Attention, Roxas se réfléchit. Ah oui, attention, là, c'est grave. Un rat sans queue se nomme un raccourci. Bon bah voilà, t'as tué Yuna. Merci Roméo d'avoir tué Yuna. Pourquoi ça m'étonne pas que ça vienne de... De Roméo? C'est pas moi. Ouais, c'est... Non. C'était sympa. Bref, j'avoue, il dit salut avec un morceau de gâteau dans la bouche. Putain, mais je suis une merde. Dis pas ça, Roger. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver ce soir. Attends, t'es en train de taper à Manu? On se retrouve sur Spiro. Qu'est? Sur la demande de Elle l'a tout. What? C'était quoi ce bruit? Et on va démontrer. On a dit quelqu'un qui se dit. Bah attends, mais il est parti où là, Roxas? Attends, tu veux pas dire qu'il a creusé en haut? Attends, j'arrive. C'est un zombie qui s'est noyé, possède parfois un trident. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Ah, t'as un trident? Un trident? J'ai chopé un trident. Un trident? Qu'est-ce que... À quoi ça sert? Les salopards, je m'en doutais. De quoi? À quoi ça sert fight. Un trident? Ça va être considéré comme une arme. Une arme? Une arme? Et quelle est donc cette sorcellerie? Bah. C'est vrai que ça m'a perturbé. What? Attends. Au pire, il faut que j'essaie de se retrouver du charbon. Vas-y, je vais faire ça. Je vais partir en quête de charbon. Je vais quand même mettre le trident. C'est assez intéressant quand même, quoi, situation un petit peu précaire, n'est-ce pas? C'est vieux. Oui, de Buffy contre les vampires. Hein. Vampire. Oui, je m'en doute, c'est qu'il y a d'ailleurs ça. Oh non, mais c'est vieux ça. J'avais oublié que ça existait en plus. Bah c'est vieux, c'est sympa. Bah c'est vieux, oui, mais c'est une bonne dose de nostalgie, quoi. Ouais. Pourquoi les Japonais aiment-ils les chevaux? Je sais pas du tout. Parce que les Japonais. La série. Oui, ils sont déjà japonais. Mais bah écoute, je vais regarder la série. Du coup, là, tu vas trop bien envie de regarder la série. Il est mort de rien. Donc, ça, c'est mort de rien. Moi, je me suis arrêté à 11ème. J'ai pas regardé la série entière et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait Spike. Je crois que c'est le mec blond, si je me rappelle bien. Parce qu'ils sont des Japonais. Oui, bah voilà, il a trouvé. Évidemment que je trouvais. Évidemment que je trouvais. Numéro 2 mondial au niveau des blagues. Ça va, mais... Et il y a aussi le jeu. Ah bon? Ça, par contre, je savais pas qu'il y avait un jeu... Si, Buffy contre les vampires sur PS2. Il y avait un jeu. Je savais pas qu'il y avait un jeu. Si, moi, je le savais déjà. Attends, les jeux dérivés de films, on va pas se mentir, c'est pas tout le temps bien... J'ai plus de bois, terrible. Ouais, ah, c'est affreux. Et il se moque de tout. Mais où ça mène, pauvre pouilleux. Il nous jette tous les deux. Il y a quelqu'un qui m'a fait une blague aujourd'hui, je m'en souviens plus. Désolé. Ah, triste. Ah, c'est con, ça.
Putain, il y a Yuna qui est en train d'écouter d'une oreille là mon stream, c'est tout à fait génial. Mais en fait, c'est que je t'entends par-dessus mon stream. Oui, bah tu vas te calmer déjà. Mais c'est toi qui parles. Mais je parle fort et je parle comme d'habitude. Can you feel love tonight? Non, mais là en fait, j'ai Roxas qui est en train de se taper des délires en chantant des chansons de Disney. Terre entière en parfaite harmonie. Non, moi je connais que le prince Ali. Par cœur, presque par cœur. Jean, leur fils s'appelle Jean. Non, mais je la connais cette blague, hein. Tout le monde l'a fait. Je lui dis que je l'aime. Tu sais qu'en plus, Neymar, c'est réellement un nom de famille qui existe. De quoi, Neymar? Bah ouais, c'est en train de voler. Non, mais en fait, j'ai pas su. Non, c'est la blague de Roméo. Monsieur et Madame Neymar ont affiché, comment s'appelle-t-il? Bah, Jean, j'en ai marre. Lol. Jean, j'en ai marre. Hein. Qui est là? Bah, pas Simon. Bah, réponds. Va voir à quoi il répond sur YouTube. Je t'avais peut-être pas faite celle-là, GG. Non, tu l'avais pas faite celle-là. Non, parce que Simon n'a pas de bras. Toc, 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 qui est là? Bah, pas Simon. Mais réponds-moi, vraiment. Arrête avec tes blagues de sense. Non, c'est une blague que j'ai faite, moi. Dis. Pas Simon. Il a pas de bras. Parce qu'il a pas de bras. C'est entier, ça. Il pleure de rire de sa connerie, hein. Parce qu'il a pas de bras. C'est long. Pourquoi il y a plein de chats? Il y a des chats. Voilà, Sparks. Il s'appelle Sparks. S-P-A-R-X. Je veux dire X, mais bon. Ah, oui, c'était K, oui, ça voulait dire étincelle. Mais du coup, il s'appelle pas K à la fin, bah oui, du coup, Sparks. Oui, mais moi, c'est un K. Dans les bateaux, il y a une prostituée et une vierge. Laquelle on jette à l'eau? Attends, répète. Dans le bateau, il y a une prostituée et une vierge. Laquelle on jette à l'eau? La vierge, parce qu'elle a pas lutté. C'est les conneries de Roxas qui me font marrer. Mais non, mais c'est la réponse en plus. Je suis persuadé, je suis sûr à 100%, mec. T'es sûr que c'est ça? Ah, je suis persuadé. Parce qu'elle a paniqué. Arrête de parler, Sora, laisse-moi dans mon live. C'est la vierge. Alors, selon Roxa, c'est la vierge qu'on jette à l'eau. Bah oui, bah moi aussi, c'est la vierge. Oui, parce qu'elle a paniqué. Ouais, parce qu'elle a paniqué. Quoi? Paniqué. Oui. D'accord, il a tout déjà comme une évidence. Bah oui. La vierge parce qu'elle a paniqué. Mais putain, mais Roxa, c'est il a toutes les blagues en avance, quoi. C'est ça, quoi. Et tu la connais celle-là, GG? Vas-y. C'est une sorte de deux prostituées qui se disputent. C'est une sorte de quoi? C'est l'histoire de deux prostituées qui se disputent. C'est trop beau. Bref. Bah voilà. Oui, non, mais j'avais compris. Et ils se disputent à la ferme? Voilà. Parce qu'il y a 6 mules. Ah. C'est donc ça l'humour. Ah, l'humour. Oh my god, mon chien délu. Il y avait pas un truc aussi. Je crois que c'est avec. C'est la seule phrase que j'ai dit en japonais, il va la répéter en boucle. C'est pas la seule. Ouais, tu connais deux phrases en japonais, s'il te plaît. Celle-là, c'est l'une d'entre elles. Trois. Yes, bah j'ai trouvé ce que je voulais. Oyo gozaimasu, Naruto-san. Oh, par contre, faut que le perso s'appelle Naruto en face, quoi, mais. Sinon, ça fonctionne pas. Il y a des chances. Je t'accorde, c'est un petit peu limité, mais ça peut passer. C'est un malentendu. C'est un malentendu, oui. Ryuga Wagateki Lakarao. Oh, tu l'as mal dit, c'est terrible. Oui, je sais. Ryuga Wagateki Lakarao. Wou, Kula Wou. Wou, Wou, Wou. La physique de l'eau est exceptionnelle. Wow. Si. Vous connaissez les contre-pétris? Les contre-pétris? La contre-pétris. Putain. Une contre-pétris. Une pétrie. Les contre-pétris. Ça me semble. Pretty woman. Les contre-pétris. Putain. Ça t'arrive aux fesses. Les quoi? Oh, sort les pieds, pompettes. Oh putain, mais ça j'arrive pas à le dire.
Il arrive des dons pas à parler. Ah, mais ça me saoule, mais c'est ta faute. Attendez, c'est encore la faute des noirs. C'est fou ça. Toujours. Oh là là. Les contre Pétri. Pétri. Tes trucs. Pétrificus. Pétrificus totalus. Comme ça qu'on dit. Oh non, on ne parle pas de physique, s'il te plaît. L'abeille coule et. Quoi? Non, dis pas ça, non, surtout pas. Il s'en piège, Sora. Le fais pas, le fais pas. Pourquoi? Le but, c'est de dire l'abeille coule. Et de le dire le plus rapidement possible. Mais si tu le dis le plus rapidement possible, ça va se transformer en l'abeille couille. Couille. Exactement. C'est un subterfuge. Donc voilà, c'est un subterfuge. Attends, je viens de balancer ma pioche à la lave. Bon. Bah c'est une pioche. Bon. J'ai perdu ma pioche, je l'ai balancée dans la lave. Ah là là, après ça se transforme en effet Mandela, tu vas rien comprendre. Aïe aïe aïe. Vraiment, je suis vraiment une tête de pioche. Je connais tout près de ta blague. Yes. Enfin non. Chut, merde, je suis cramé. Superman a une bouille incroyable. Et quoi? Je préfère mieux le boule de Superwoman, mais c'est pas bien grave. Oh, putain, mais. S'il te plaît. C'est trop cher par contre de changer de palette. Et quel est le super héros qui sait le mieux jouer au baseball? Vas-y. Et c'est Batman. Ah, tu la connaissais pas celle-là? Génial! Ah non, mais la voix en plus qui rend que ça ferait, elle était exceptionnelle! Mais attendez, je peux pas vous dire là, je suis. Ah putain! Bon, qu'est-ce que tu Non, c'est qu'on sait se faire une blague avec une voix, mais exceptionnelle quoi! Non, il a fait la grosse voix en mode. Quel est le super-héros qui joue au baseball? C'est Batman! J'ai tellement de rire! Oh non, elle était bien, arrête! Pourquoi elle me juge, elle, sans arrêt? Superman a une couille incroyable. Ah oui, d'accord. Ah, mais t'es exceptionnel. C'est comme ça, moi, je suis preneur. Surtout avec la voix et tout. Ah putain, oh, débarque. Il y a un truc, là. Je trouve ça en mode random, comme elle. Sora n'a pas changé, putain. Mais d'où tu veux qu'il change? C'est Sora. C'est qui dit ça? Bah pourquoi tu voudrais qu'il change? C'est Sora, il changera pas, et en plus, on veut pas qu'il change, lui. Alors, de la part de Roxas, c'est Sora, pourquoi tu... il changera pas, pourquoi tu veux qu'il change? Et je sais plus ce que t'as dit, en fait. Bah t'es bien comme t'es. Non, Sora, il changera pas. Ah, il y a un Creeper. Il a pas changé pour vos beaux yeux, hein. Bref, en deux genres. Je suis paumé dans le monde. Non, on va pas être. Dis à Yuyu que mon vampire me manque. Oui, bah, ton vampire, là, il est bloqué, il sait pas quoi faire, donc je pense que je vais faire un truc à la ramasse tout à l'heure. Mais ça va être vraiment à la ramasse, hein. Et puis au pire, au lieu de passer des messages par rapport à toi, il peut pas venir sur mon live. Non, il a dit qu'il voudrait pas aller sur Twitch. Oh. Parce que c'est de la merde. Sinon, il serait déjà allé. Mais par contre, je vais pas passer les messages très longtemps, Roméo, je te dis tout de suite. Parce que ça va être très chiant. Ah oui, merde. Ah ouais, ça va être très... Ouais, ça va être très chiant. En fait, tu vas être... Et Roméo, oh putain, l'enfoiré. Vas-y, viens là. Adressé à son bec un fromage. Quoi? Quoi? Allô? Jadis ce fut une araignée. Aujourd'hui non, elle n'est plus que. Elle a l'air ambulant. Oh, au fait, Raven, je t'ai pas dit, j'ai fait des. Il y a une araignée aussi en dessous, je l'ai vu. Une araignée. Il est genre génial. Ça fait une semaine. C'est la dernière, pardon. Merci beaucoup. Eh ben, pas de soucis. Putain. Faut vraiment une. Oula. Pourquoi tu as ma sphère? Pourquoi je l'avais grave bas? Même pas 36, super. Par contre, quand il y a un arch squelette juste en dessous, il y a un creeper là. C'est où je kifferais avoir un arc. Mais j'en ai pas. Bonjour.
Oh, ça va m'aider ça. Guaison, qu'est-ce qu'il y a de riche? Ah là là. Il y a du monde. J'ai quand même préféré un mauvais. Bah, j'ai fait que le premier chapitre, j'attends que le deuxième sorte sur PS4. Allez, viens là. Franchement, en vrai, genre en vrai, de vrai. Oh, ils sont trop chauds. Non, ils sont trop chauds. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Il est trop mignon. Attends, je suis en train de lire le chat. Je suis désolé. Très mauvaise qualité quand on est dans le noir. Oui. Oui, bon, en même temps, ça m'étonne pas. Hein. De toute manière, dans Minecraft. Tu vois rien. Mais c'est quoi cette voix? Parce que tu vois rien. Hein. Non, mais parce qu'il m'a fait rire. Je veux dire, même dans la vraie vie, il y a une mauvaise qualité quand on est dans le noir. Je veux dire, plus de 144p basse luminosité. Yes, je l'ai eu. Oh, par contre, pour affronter tout ça, je ne sais pas comment je vais me démerder. Ça va être terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais remonter. Soit putain, le héros que les gens veulent que tu sois, Gigi. Je sais pas quel héros il veut que je sois. Que j'aille poutrer tous les monstres qui sont en bas. Moi, ce qui m'a fait plus bader, franchement, en vrai, le truc qui m'a fait plus bader à la fin, c'est quand tu vois Kara enlever. Alors. Tu vois Chris enlever son cœur et que ça devient Kara, t'es là, t'es en mode. Et pourquoi il spoil là? Alors, de la part de Roxas. Ah, c'est encore une grenouille. Yuna. Ouais. De la part de Roxas. Ouais. Ta gueule, arrête de spoil. De quoi? J'ai pas dit. Et il a pas fait ta gueule. Non. Ah, oh, il faut qu'il y joue. Faut qu'il joue. Il a pas fait quoi? Deltarune. Bon. La suite d'Undertale. Non, mais j'ai même pas fait Undertale. Mais pourquoi je le ferais alors qu'elle vient de spoil? En plus, c'est même pas de là que je viens. Je viens de là. Oui, oui. Je viens de la cité des eaux, perdue dans les montagnes les plus profondes et les terres enneigées. Tu es né en 1660. Perdu dans les montagnes les plus profondes. Oui. Et alors, des montagnes souterraines, ça existe, monsieur? Ça donne air, mais j'adore, putain. Roxas, je vous le dis, c'est un orateur né, hein. C'est pas possible autrement. Ah si. Bah j'ai envoyé. Mais je suis pas. Mais je suis pas né orateur. Pas relié, et apparemment c'est pas vraiment que rarement fin. Ah, tu aimes les let's play narratifs? Normalement on aurait dû en faire un avec let's play narratif. C'est du genre, c'est-à-dire. Mais attends, si les histoires seraient pas. Parce que je connais le let's play en roleplay. D'où tu deviens l'enfant. Mais let's play narratif, je pense voir ce que c'est. Et le problème, c'est que je n'ai pas du tout l'improvisation pour faire ce genre de choses, en fait. Tu ne deviens pas l'enfant, parce que l'enfant, au final, reste en toi. Eh oui. Mais Roxas, par contre, pourrait faire sans difficulté. De quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Des displays narratifs. Ah! Pour l'instant, je suis en train d'essayer de créer une armure en fer. Je m'en passe pour les. J'ai déjà quoi créer une armure en fer. Yep, et là. Bah, moi aussi en fait, enfin, j'ai mon plastron déjà, mais. Et j'ai une pioche et une épée. Je suis en train de lutter un petit peu. Des montagnes souterraines. Non, mais faut voir ça avec Roxas, hein. C'est. C'est un architecte. Et surtout, me cherche pas parce que. Pardon. Mais quelle fourberie de scapin tué. Putain, mais en fait. Oh là là. T'es dans ma grotte et t'as torché partout, du coup je retrouve pas mon chez-moi. Dégage toi. J'arrive pas à taper un putain de... Putain, y'a mini-zombie... Je connais tout des montagnes enneigées, hein. Et des cavernes embrumées. Oh, ça y est, il est reparti. Au-delà... Des montagnes embrumées... Bref, V2Do, pas de soucis, Roméo. Comment il a paniqué, ouais. T'as vu ça un peu? Caverne. Oh merde. Dans l'aube bleutée. Et voilà. Il faut aller. Ah, t'es tombé dans la lave. Mais ta gueule. Non, c'est que en fait. C'est ça le grand joueur depuis des années. Non, vous suicidez, je chantais si mal. Ça, c'est qu'en fait, comme je t'ai dit, t'as torché partout dans la cave. Ouais. Le problème c'est que j'arrive pas à me retrouver. C'est trop chiant.
Putain, en plus c'est pareil, mais je connais même pas ma propre maison, quoi, c'est terrible. Non, pour te repérer, il suffit de suivre ton cœur. Oh. C'est ce qui et ton cœur te mènera à ta maison. Non, mais c'est vrai, je pense. Regarde la tête. Attends, mais c'est ici en plus, elle est là ma maison, moi. Ouais, elle est là. Eh oui. Il a chopé un bâtiment de Snowdin et a grillé. Ah bah oui, peut-être pour ça que je l'ai pas retrouvé. D'accord, ok, bien caché. Parce que je suis passé à côté en plus. Mais ouais, c'est pas cool. Hop. Pour ça que je l'ai pas retrouvé en fait. C'est tout un mes bad. Déjà, c'est très bien que. C'est bien. En quête de l'or. Allez, en. Après, les montées sur ce terrain, ça va être les grottes les plus hautes du monde. Tu sais que ça existe en plus. Je me moque pas qu'il ait paniqué, mais j'aurais pas fait mieux. Mais putain, mais j'en fais la même connerie. Les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Pourquoi tu parles plus? Que j'étais en train de cramer parce que je fais deux fois que je me fais avoir de la même manière. Ça me saoule. Mais en vrai, je suis un concepteur de malade. Sora, 22 ans, est en effet à une maladie un petit peu intrusive. Il est accro à la lave. Une situation un petit peu anormale qui le terrifie. Tant bien que mal, lui et toute sa famille. Pardon ? Oui, bah oui, tu m'étonnes. Tiens, je nage devant tous les 3-4 mois. En effet, il boit de la lave quotidiennement, deux fois par jour. Depuis quand l'eau, ça fait deux fois par jour, oh, putain. La gueule à la fin de l'estomac, quoi, je te dis même pas. Bah, voilà. Même de tout le corps entier. Non, un peu, ouais. Roxas en concert dans toute l'Europe. Non, mais Roxas, tu lui dis de chanter une chanson Disney, je te jure, il le fait. Mais ouais, normalement, ça fait. Il te chante toutes tes chansons non. Disney, mais que tu veux, hein. Malheureusement, je les connais pas assez. Ça fait mal, hein. Mais bon. Ouais. Vas-y, c'est quoi le Disney que tu connais plus? Le Disney que je connais plus? Niveau de la musique, hein, j'entends. Je sais pas, ça devrait être La Belle et la Bête, tu penses? Le Disney, hein, donc le film d'animation, Disney, pas les films films. Bah ouais, bah, La Belle et la Bête. Bah vas-y, chante une musique de La Belle et la Bête, fais-toi plaisir. Pourquoi je ferais ça? Parce que t'es un chanteur. T'es un chanteur né, mec. Ah, tu peux faire. Alors que je dois manger, mec. Je dois me nourrir. Ah, ça dépend. Merci pour cette interprétation. Haut de succès. Il y en a plein. Ah là là. Eh oui. On voit la différence quand même entre Roxas et moi, c'est que moi je kiffe vivre dans des grottes et lui il est au rond. Mais c'est fait sa petite tour. Il est dans le danger. Il a par la suite de légères brûlures à l'estomac. Légère, hein, très légère brûlure à l'estomac. Le mec est en train de fondre de l'intérieur, mais il a de très légères brûlures. Eh oui. Des pupites de fer. Tu sais, ils ont rajouté plein de copies en vrai. Des pépites! Ah, tu veux les pépites? Une pupite! Voilà. Il y a quelque chose dans son regard. Un peu fragile et léger comme un espoir. Toi, mon ami, aux yeux de soi, tu as souri, mais hier encore, je ne savais pas. Je suis le meilleur. Oui, salut. Bah salut à toi. Je sais pas qui tu es, mais je t'aime bien. Voilà. Je ne t'aime bien. Truc révélateur. Je ne t'aime bien. Tu sais. Non, mais je te jure. Eh oui. Et bon, tu sais, j'ai appris un truc, Sora. Oui. Eh oui. Elle me regarde. Je le sens bien. Comme un oiseau sur moi, elle a posé sa main. Oh, et le seul truc que je regrette à la fin. Oui, moi tranquille. Voilà. D'accord. Tu vois, tu travailler les chaleurs. D'accord. Merci pour cette intervention très utile. Ah, c'est ton pseudo. Bon, non, mais mec, en fait, je suis le meilleur. Oui, c'est son pseudo. De quoi, c'est quoi son pseudo? C'est je suis le meilleur. Oui. Ah, d'accord. Non, mais tu sais que moi, par exemple, on parle de pseudo bizarre que j'ai eu.
Moi, comme c'est de pseudo bizarre que j'ai eu poulet pirate, j'ai eu saucisse au beurre, et j'ai eu capote. Non, mais ça m'a perturbé parce que du coup, moi je lisais oui. Je suis le meilleur, oui, salut. Je suis le meilleur, oui, ça va. Le mec, il est pas trop narcissique de lui-même, tu sais, à dire je suis le meilleur à chaque fois. Mon pseudo, t'inquiète, je vais changer. Non, mais t'inquiète, en fait, c'était le temps que je comprenne que c'était un pseudo. Tant que je comprenne que c'est un pseudo. Ouais, ouais, t'imagines, il s'appelle comme ça dans la vraie vie. Le mec, il s'appelle je suis le meilleur. I am best. Non, mais je te jure. En vrai, pourquoi pas. Bah oui, tac, tac, vas-y, vas-y, je te mets au défi d'appeler ton gosse comme ça, toi. Non, je suis le meilleur. Si j'ai un gosse, je m'appelle Woody. Non. Mais pas meilleur des nouveaux. Non, moi, si j'ai deux jumeaux mâles, je l'appelle Jack et l'autre Daniel. Daniel. Deux jumeaux mâles, hein. J'ai aucun respect. Hein, un œuf. Et je te connais ou tu es nouveau? Parce que si tu es nouveau, n'hésite pas à prendre un siège à t'installer et à profiter du stream. Mais c'est exactement ce que je dis. Je m'appelle A. En. Edwin. Oui. D'accord. Putain, y'a pas le PVP avec les œufs, ça a pas été activé, fait chier. Yoyu. Aïe. Eh ben, je dirais Alexis. Agnès. Abricot. Abricot. Alexandre, eh bien bienvenue à toi Alexandre. Je vous vois pas en fait. Tu sais que c'est marrant que tu t'appelles Alexandre parce que j'ai un cousin qui s'appelle pas du tout comme ça. Comme quoi? Ouais. La conversation inutile. C'est absolument le mec qui veut se faire un copain quoi. Il y a un cousin qui s'appelle Étienne. Mais non. Pas du tout Alexandre. J'en ai eu deux d'un coup. On gaspille pas les œufs, Sora. Je l'ai pas gaspillé, je l'ai balancé sur Roxas, mais vu comme le Friendly Fire n'existe pas avec les snowballs et les eggs, du coup ça marche pas. Vu que tu me connais pas encore, il y a moyen. Par contre, si tu deviens mon meilleur ami, non, par contre, tu juges pas, quoi, t'es mignon. Ah bah non, décide pas tout de suite, tu viens d'arriver, ce serait ballot. Tu peux arrêter. Il y a quand même. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Je sais pas du tout, mais. Non, mais ça veut dire que si tu l'entends. Non, mais ça veut dire que si tu l'entends, ça veut dire que c'est aussi l'entend. Ah bah oui, tout le monde. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Voilà. Attends, pourquoi je descends là, moi? T'es déjà descendu ici. Je vais changer d'île, je vais changer de maison. Je viens avec toi pour emmener ma passion. Et ma pioche et mon rhum. Ah là là. Ah, du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu, hein. Ah non, faut que je te donne un truc. Un accordéon. Attends. Pour valser tant qu'on veut. Reste là. Attends, c'est que ça. Reste le... non, reste auprès du vide. Reste auprès du vide, non mais tu vas voir. Oh les vaches. Oh le. Merci poulet. Mais ça fait tellement longtemps en tout cas que j'avais pas joué à ce jeu. Tu voulais donner quoi? Je décède. De quoi? Ah non mais juste un coup d'épée. Non mais juste son skin. Un mec en armure de fer avec un chapeau de cow-boy. Oh, oh. Tu juges pas, je suis en dehors du temps, ok? Ouais, non, mais là, totalement. Le cow-boy de l'espace. Je suis Buzz l'éclair, fais une avec Woody. Buzz l'éclair. Star, mais on lance pas les œufs sur les gens. On les donne à Malicious comme offrande, c'est plus utile. Ah merde, désolé. Bah, tu pas de soucis. Attends, tiens, attrape. Non! Tu vas te faire engueuler. Vas-y, bon, faut pas d'omelette sans casser des œufs. Dis-lui pas ça, c'est pas un argument valable. Ah bon? Non. Ah bah, on fait pas deux sans casser. D'omelette. On fait pas deux en casse. Couteau ou couteau? Ou grand pile choisi? Oui, hein, je sais. Allô? Là, y'a trois choix, mec. Un couteau? Un couteau? Quoi? Ah! Bah reviens! Il a dû voir qu'on était en stream, il s'est fait. Ah oh, ouais, non! Non, ouais, c'est pas possible! Tu me connais! Choisis! Bah. Un couteau!
Hich. Sauvez-vous. Ah merde. Non, attends, 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 non, non, cours, cours, cours pour ta vie. Pourquoi, t'as fait quoi? Bah j'ai des chiens. Si tu tapes, à mon avis, tu crois qu'ils vont faire quoi? Oh, tais-toi, j'aime pas ta voix, ta voix. Un couteau ne peut pas avoir ça, Alexandre, ce n'est pas impossible. Théoriquement. Non, les œufs, qu'on lui donne de la lave à boire jusqu'à ce qu'il... jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah putain. Donc ça, c'était censé mourir en fait. Bah non, je suis là moi. Oui, mais il y a Malicius qui ordonne qu'on te donne de la lave à boire jusqu'à temps que tu crèves. On est en train de dire quand même. Ah, mais moi j'en bois tous les matins hein, depuis ma naissance donc. De la marque Lactel, plus précisément. C'est facile à digérer. Lactel. Mais ah, tu sais que ça me fait beaucoup trop rire à chaque fois, moi. Tu sais, je travaille dans le fromage. Oui. Ok. Et tu connais. Ok. Oui, non, mais désolé. Et tu connais sans doute les 4 fantastiques. Oui. Ok, le film. Le oui. Mec, le méchant, il s'appelle Fatalis. Oui. Docteur Fatalis. Oui. Et bah, le rapport avec le fromage dans tout ça, c'est que ceux qui fabriquent un maximum de fromage industriel et qui rachètent tout en ce moment, c'est Lactalis. Et moi, à chaque fois, je me dis, c'est les méchants Lactalis, Docteur Lactalis. Ça me fait beaucoup trop marrer, moi. C'est le grand méchant, tu vois. Cache et tout parce que bah, c'est un méchant quoi. Oh, il y a un village. Ouais, j'y suis déjà allé, y'a rien. Ah, c'est vrai? Bah, je vois des plantations ouais. Toujours. Y'a que trépas si je faiblis. Ah, bah oui, je leur ai rien piqué, mec. Je suis pas un voleur de trucs pour eux. Et puis, je suis pas vegan alors je peux me nourrir exclusivement de viande. Hein. Oui, moi non plus. Moi, je suis carniste déjà de base. Ah, oui, c'est un mot qui fâche pas mal de monde. Donc, oh putain, cette violence. Oui. Ah oui, les carnistes, c'est un mot que les vegans n'aiment pas du tout. Ah, le rire de Nessel. Non, le mot que les gens pourraient trouver totalement affligeant, et je suis d'accord avec eux, c'est... Antépénultième. Parce que c'est vrai que c'est pas très très évident à dire. Anti-quoi? Antépénultième, qui veut dire avant-avant-dernier. Voyons, tu ne savais pas quoi. Antipétusen. Antipénultième. Pénultième. Pénultième, c'est avant-dernier. Et du coup, antépénultième, anté, avant, c'est avant-avant-dernier. Voilà. Putain, viens ici. Voilà, voilà. T'es pas un voleur. Qu'on lui coupe la tête, d'accord. T'es pas un voleur, mais tu gaspilles les œufs. Mon père, il a volé toutes les étoiles du ciel pour mettre bas dans le ciel. Ça n'a pas de sens. Eh, ton père a pas volé les étoiles du ciel pour te les mettre dans tes yeux? Bah non, ils sont toujours dans le ciel, les étoiles. C'est la meuf qui comprend pas. En mode, vas-y, ferme ta gueule, bah. Tu dragues comme de la merde. Comme de la merde, hein, je dis, pourquoi pas? Moi, je drague pas, d'abord. Ah, toi, tu passes à l'action directement? Non, moi, je parle pas aux filles. Il est nu au gars, d'ailleurs, j'aime pas les gens. T'as roté? Tous des connards. De qui? Toi. Non, clairement pas. J'ai entendu un roux dans mon casque. Ah, bah c'était elle. C'était elle. Entre les deux. De François Perus. C'était elle. Le film français, c'est le film... La potiche. Qu'est-ce que... Oh, wow. Film français qui a remporté l'Oscar en je sais plus combien. De quoi il parle? Quel film, de quoi? De François Perus. Ah. Il a parodié le film La potiche. D'accord. Y'a quelqu'un qui arrive avec sa voiture, c'était elle. Tada! Qui c'est? C'était elle. En effet, c'était elle. Attends, oh non. C'est quoi ça? Un clipper marin? Totalement pas concentré. François Perrus. Totalement pas concentré. Ma concentration n'est pas. T'as une île à champignons à côté si tu veux. Je te veux faire des champignons. Ouais. Non, je suis en train de voir. Oh, mec, y'a des poissons dans la flotte. Non, mais à ton avis. Non mais on les voit, je veux dire, on les voit. Bah oui. On le voit. Non mais, tu vas pas comprendre ce que je veux dire. On les voyait pas il y a au moins 2 ans. Ah possible, non mais... Bah si tu voyais les pieuvres, alors avec ce qu'il y a, oh, tu racontes de la merde. Attends, c'est qui a créé ce pont là? C'est les PNJ? Oh, t'es mauvais viseur. Ah, ça sent un peu bête d'avoir fait ça. Par contre, on a... Attends, je suis toujours pas un petit peu trop à l'aise avec les menus. Genre, je
Attends, qu'est-ce que... Non, mais je... Fais pas ça, Damien. Fais pas ça. Je veux te parler. Ah oui, là. Arrête de te moquer de moi, toi, Alexandre. Avec deux vies ? Non. Un jour tu verras le. Il a réussi. Il rira pas trop, il rira beaucoup trop. Hein. Non mais Roxas, Roxas, faut que tu le punisses quoi. Il gaspille les heures, puis t'essayes de mettre la chanson de la Belle et la Bête dans la tête. De quoi ? Moi je. C'est pas ça moi. Non mais t'as mis la. C'est le plus fou des romans. Oh, il y a une faille. Bon ah oui, il y a une faille. Cool. Il n'a rien d'un charmant, mais en même temps il a beaucoup d'argent. Qui l'aurait cru, c'est incongru qu'il aurait su. Oh oui, mais qui pouvait croire que ces deux-là se feraient plus? C'est insensé. Attendons voir ce que ça donne. Il y a quelque chose qui encore n'existait pas. Je ne supporte pas ta voix. Ce que j'adore, je suis en train de chanter, c'est qu'à un moment il te ponctue d'un petit. J'adore, ça n'a strictement rien à faire ici, mais il le fait quand même. Mais ça me fait rire en soi, moi. Bah oui, je sais que ça te faisait rire. Ouais. Et bah au revoir, Alexandre, et puis bah bon suicide du coup. Profite bien. Amuse-toi bien durant tout suicide, y'a aucun problème. Ah, non mais ça c'est chiant ça par contre. Pourquoi pas? À moins qu'il y ait un autre chien. Non, vous avez tout trouvé. Y a-t-il un autre chien? Je n'ose y croire. Pourtant j'y crois. Jamais encore elle n'avait eu ce regard-là. Mais elle est devant toi du coup, tu vois pas? Pourquoi elle s'énerve là? Parce qu'elle joue à Spyro, mais je sais pas ce qu'elle fait actuellement. Mais elle s'énerve sur Spyro? Ne t'inquiète pas, c'est pas contre ta chanson. Hein. Bah ouais, tu m'en doutes qu'il pourrait râler contre ma chanson. Merde. Ma maison est derrière. Oh. Le monde est devant. Oui. Quelle chanson tu connais, toi? Bon, à part les chansons paillardes, mais. De qui? Ah, c'est un autre délire. Toi? Ouais, mais de qui? Bah, de Kiki. Tu connais quelle chanson? Bah, je sais pas, tu dis des chansons paillardes, donc pour moi, c'est du François Pérusse. Non, j'ai dit autre chose que des chansons paillardes, parce que toi, tu connais beaucoup des chansons paillardes, mais. C'est ce que j'ai à dire, oui. Et bien du coup est-ce que je... Des chansons de Disney ou des trucs Après c'est plus des chansons de la culture pop, mais... Si le vieux monsieur dort dehors, c'est parce qu'il aime le bruit des voitures. Et s'il fait le mort, c'est qu'il joue avec les statues. C'est Orelsan, ça. Un jour, il a disparu. Ouais. Yes. C'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sans doute sur une île avec un palmier dans sa bière. Mais non, je tirais dessus, putain. Oh, est-ce que je suis en train de me faire marrer par des putains de chats? Un petit conseil pour le suicide. Bois de la lave ou casse un œuf, tu risques de pas te réveiller le lendemain. Oui. En effet. Par contre, c'est du caf, bien évidemment, si tu casses un œuf sur la tête, il faut savoir que tu auras les cheveux très brillants le lendemain. Ou même le second qui suit, en fait. Et ce n'est pas une connerie. Je prends ça, mais par contre, t'es pas à côté de ton lit, là? Non, vraiment pas, du coup. Non? Ouais, tant pis. Vraiment pas, vraiment pas. J'explore les pourpoints de cette map. Parce que j'aurais bien voulu aller dormir. Mais du coup, on ne peut pas, parce que du coup j'ai besoin de bois. Est-ce que j'ai encore du fer? Putain, j'ai un de fer, c'est tout. Ah, il faut que j'aille en chercher deux de fer. C'est quoi ça? Fiche. C'est un bateau? Il y a un bateau, mec, il y a un bateau! Il y a un bateau, oui, il y a un bateau. Il y a un bateau? Ah, qu'est-ce que ça fait là? Ça fait partie de la mage de la 1.8, je crois. Ouh. Est-ce qu'il y a des coffres dans ce bateau, ou est-ce que c'est... Tu peux en avoir, mais des fois tu n'en as pas. C'est très aléatoire. Aléatoire, ah, aléatoire. Il y en a un. Oh, il y en a un. Il y a un pantalon en cuir avec une malédiction disparition dessus.
Il y a un pantalon en cuir avec réparation dessus. Il y a plein de papier et des 40. Ok, pourquoi pas. J'aime bien les, ouais, les tuer comme ça. Attends, j'ai rêvé où il a volé. Ah non, je les ai récupérés, d'accord, putain. Ah oui, putain, j'oublie que c'était là. Bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pourquoi il n'y a plus de musique d'un coup? Après, comme musique, je sais pas, faut vraiment que je me rappelle des musiques qui existent. J'attends. Pas grand chose de spécial. Sur les jours passés se ressemblent un peu. Tout le temps, la tête dans les étoiles. Mais je vais pas gaspiller un œuf pour mes cheveux dégueulasses. Bah, tu peux, hein, écoute, sors tes cheveux brillants. Moi, j'aime. Ah. Calme-toi, tu me parles pas comme ça, le villageois. Il y en a 80% de cheese et 20% d'âme. On peut le faire. Le chat? Oui. Je crois que le chien, c'est que ça y est là. Ah non, il fait ses griffes, ok, d'accord. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ah mais attends, oui, attends, je voulais faire un truc aussi. Pour réussir, où tous les autres ont un, deux, il m'en faut deux. Ok, go. Go, go, sortir. Prétentieux, redescend sur terre. Où non, mais non, mais non. Salut Wakanim Nightcore, comment vas-tu? Hey, ouais, mais un œuf c'est gras et mes cheveux graissent déjà bien trop vite. Non mais après ça sent mal, les cheveux brillants. Ça va pas être correct ce que je dis en fait. Les cheveux moyens. Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir des cheveux moyens? Brillants. Ah t'as pas dit moyen? Non j'ai pas dit moyen, j'ai dit brillant. Après je parle vite donc c'est peut-être pour ça que t'as compris moyen mais non t'inquiète pas. Ouais, j'ai dit moyen moi que t'as dit. Est-ce qu'on peut dire que c'est brillant comme idée? Ah. T'es bien, là. Bah oui, il y a une histoire. Oh, genre là, tu dois aller choper tous les œufs de dragon parce qu'il y a quelqu'un qui nous les a tous fourrés. Non. Pas pourtant. Alors, PC me dit qu'il y a un message en plus, mais je l'ai pas. C'est terrible. C'est affreux. Putain. Tu vas laisser mon tic verbal tranquille, oui? Oui, il y a une histoire. Et non, c'est pas 85% de mini-jeu. Ah, si, c'est bon, je l'ai. Ça, là, c'est la mort. T'as pas envie d'avoir les cheveux moyens, toi? Mais voyons, tout le monde rêve d'avoir des cheveux moyens. Bof, pas terrible. Non, mais j'ai déjà. Ah là, c'était. Bof. C'était l'instant malicious. Bof. Bof. Le mec a des scies. Bof. Comme tu veux. Ah mais bon, j'ai des cheveux ou quoi? J'espère, oui. Enfin, t'as plus de barbe que de cheveux, ça, la dernière photo que j'ai vue, mais. C'est quoi ce jugement? Que tu devrais embraser parce que ça te va pas la barbe. Non, clairement pas, ça me va trop bien, mec. Non. Bah, si. Non. Ouais, ça fait longtemps que tu m'as pas vu alors. Vraiment. Bah 5 ans. Non mais j'avais pas de barbe il y a 5 ans, qu'est-ce qu'il dit? Hein? J'avais pas de barbe il y a 5 ans. Non mais ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Oui mais je sais. Voilà, hein, alors j'ai répondu à ta question donc tu vas te calmer. Mais j'avais pas de barbe quand même il y a 5 ans. Je te l'accorde, au début quand je commençais à avoir de la barbe, je me la laissais pousser et ça m'allait pas. Mais non, ça me va clairement bien parce que c'est de la vraie barbe d'un et de deux je la taille régulièrement, donc c'est bien. Et en plus, j'ai maigri, je te rappelle, du coup, mon visage est un petit peu plus affiné. Moi, c'est pareil, faut que je maigrisse. Du coup, c'est bien mieux. Bah, j'aurais trop peur. Là, actuellement, je suis passé quand même, du coup, de combien? Je faisais déjà 105. Et là, je fais à peu près entre 95 et 92. Donc, c'est quand même bien. 85-92. Une perte de plus de 10 kilos en 2 mois, c'est quand même bon. On va pas s'en prendre. Coucou, ça va bien et toi, Overmax?
Overmax, le over du max. De quoi STP? Super pilule. Attends, il a dit STP, mais c'est pour ça que j'ai un message qui s'est pas affiché là. Salut, ça va? Moi bien. STP, tranquille. Il y a Overmax qui te dit GG pour ta perte de poids. À qui? Ah bah merci beaucoup. Ça fait plaisir parce que on va pas se mentir, c'est quand même bien mieux. Non mais c'est pareil, mais moi il faut que je maigrisse. Ça. J'ai pris trop de poids depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bah il y a 5 ans hein, du coup, hein. j'ai pris méga poids. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non mais de malade. Rien qu'à mon visage, tu le vois. Je t'enverrai une photo si tu veux, mais je te jure, rien qu'au visage, ça se voit. D'accord. Oh putain, j'ai oublié de faire la foule. Merde. La ouf en français. Bah je t'enverrai une photo aussi, tu verras. Ça me change pas mal. Enfin, ça me change pas mal, c'est quand même bien mieux quoi. Vraiment, je suis content. Ah bah c'est le principal. Ouais. Et puis il y a un truc qui va changer la vie par contre, c'est au niveau de l'asthme. Tu sais, moi je faisais beaucoup d'asthme. Oui. Avant. Et du coup, figure-toi que depuis que j'ai perdu du poids, je n'en fais quasiment plus. Alors moi, il faut savoir, j'ai jamais fait d'asthme. Ça, je m'y attendais pas. Donc. J'ai jamais fait d'asthme. Mais tu vois, j'ai découvert quelque chose avec Yuna il y a pas longtemps. Mm-hmm. Enfin, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est que moi, je fais de l'apnée quand je dors. Ah oui, d'accord, l'apnée du sommeil, ok. Et avant j'en ai jamais fait, enfin j'ai pas souvenir d'en avoir déjà fait en fait. Et a priori je me suis renseigné, a priori c'est déjà pas mal à cause de la prise de poids que ça peut arriver. C'est ça. T'as son merde ça. Bah ouais. Je vais pas rentrer. Attends, je vais vous pousser moi, tu vois. Allez, putain. Allez Kiki. Bon, on va en aller avec boss. En vrai, perdre du poids au début c'est pas si dur. C'est n'importe quoi parce que c'est dur, de fou, mais c'est pas si dur à faire. C'est juste chiant parce que j'ai pas envie, mais même là honnêtement j'ai même pas trop envie de... J'ai envie de continuer parce que j'ai pas envie de reprendre le poids que j'ai perdu. Mmh. Et c'est chiant dans le sens que j'aime bien manger en fait. Moi aussi je suis en surpoids, si il a fait comment je sais pas, t'as fait comment pour perdre du poids? Alors, du coup, je vais te dire, en fait il suffit de manger, enfin il suffit, quel connard je suis. Il faut manger plus sainement, déjà il faut manger bien les 3 repas par jour. Donc un le matin qui soit assez conséquent, mais genre banane pour protéines avec un jus de fruits et tout. Manger beaucoup plus de légumes et moins de viande, ou si tu manges de la viande, c'est une viande blanche, style dinde quoi. Et le truc aussi, c'est essaye de marcher au moins chaque jour. Alors quand je dis marcher, c'est pas 1000 pas, c'est il faudrait que tu fasses à peu près 5000 pas par jour. Et on va dire pendant 3 jours dans la semaine, 10 000 pas. Enfin moi du moins c'est ce que j'ai fait. Et au final, avec ça, ça fait un effort physique qui n'est pas non plus extrême, hein, on va pas se mentir, mais qui est à faire, et ça pendant 2 mois, et moi, ça m'a fait perdre du poids. Après, on n'est vraiment pas tous pareils, hein, donc je vais pas parler pour les autres, je sais absolument pas si c'est bien ou pas. Mais. Alors du coup, pour répondre à ta question aussi vite fait, Malicious, l'apnée du sommeil, en fait, c'est quand tu dors et que tu ne respires plus. Et bien évidemment, c'est mortel, hein, je tiens à préciser. Bah ouais. Après, il y a des trucs qui existent, genre, tu sais, qui... comme un masque respirateur ou quoi, mais c'est fou parce que ça fait extrêmement de bruit, quoi. Donc, si t'as une conjointe, c'est très, très pénible. Très. Mais pour ça que j'en ai pas, mais a priori, Yuna n'a pas remarqué que j'en fais plus, parce qu'avant, elle dormait plus, hein, littéralement. Elle me réveillait à chaque fois qu'elle faisait, elle faisait des nuits blanches, hein, que... Ouais. Enfin, du sommeil. Mais après, je sais que pour mon apnée du sommeil, je sais pas si je l'ai toujours ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je suis toujours en vie. Hein. Du coup, si j'en fais, on va dire que pour moi, c'est pas trop grave, de sorte à ce que je n'étouffe pas, quoi. Mais l'apnée du sommeil, c'est le fait que tu respires plus dans la nuit, quoi. En fait, c'est que tu dors et puis tout à coup, tu te mets à plus respirer. Enfin, voilà. Et puis là, celui qui a posé la question, oui. Pour le poids, ça dépend aussi quel poids tu fais, pour quelle taille et combien de poids tu veux perdre. Parce que si tu me dis que tu fais par exemple 1m80 et que tu te trouves gros alors que tu fais 90 kg, je sais pas d'après ce qu'il dit en surpoids. Ça va vraiment pas être, ça va vraiment pas être le même truc que moi. Alors que si tu fais. Moi je fais 1m80 donc c'est le truc de base que je fais. Mais 1m80 pour 105 kg je faisais quand même. Donc c'est pas non plus extrême parce que j'ai une grosse carrure, c'est-à-dire que j'ai vraiment des épaules larges. Et sur moi ça se voit pas que je sois trop gros. Bah moi c'est pareil, hein, tu regardes, j'ai des épaules larges aussi, c'est pareil, donc moi ça se voit pas. Bah c'est ça, j'ai une carrure, alors maintenant bah du coup ça me va, mais j'ai toujours mon bidon moi, avec le plus dur évidemment à perdre,
les côtés, les petites bouées, mais bon, au pire, moi, je m'en fous un peu parce que. Bah ouais, parce que bon, mon objectif, c'est pas d'avoir des abdos et tout, je veux pas ressembler à ça, moi. Même si, bon, honnêtement, ouais, ce serait sympa, mais non, d'un, c'est beaucoup trop de boulot, et deux, si t'arrêtes d'y travailler, ne serait-ce que pendant genre 2-3 mois, ça se perd extrêmement vite. Salut Samira! Alors du coup les messages, moi je me mets en apnée quand je stresse ou quand je m'énerve ou que j'ai envie de chialer. Ouais mais encore sachant que t'es réveillé, t'as un avantage, c'est que tu peux limite te contrôler en fait. C'est que tu sais que voilà tu respires plus. Voilà, c'est que tu peux reprendre ta respiration. Quand tu dors c'est complètement différent, quand tu dors t'es là, c'est que t'as pas conscience en fait d'en faire. Du coup t'es là, tu dors, et le problème c'est que bah tu peux ne pas faire gaffe qu'au final ça ne te réveille pas en fait. Et au contraire ça peut même te plonger dans un sommeil profond, tu vois ce que je veux dire. Alors, et ensuite. Bah oui, mais on n'a pas d'abdos. Oui, pas du tout. Non, moi c'est pareil, j'ai pris trop de poids, faut que je pense à maigrir. Alors, Overmax qui dit moi j'étais parti en cam pendant un mois, j'ai perdu 10 kilos. En camping, du coup, j'imagine. Moi j'étais parti en camping pendant un mois, j'ai perdu 10 kilos, mais une fois que je suis rentré chez moi, je les ai repris plus vite que je les ai perdus. J'ai fait 1m75 pour 85 souvent... kilos. C'est très souvent. Alors, attends, 1m75 pour combien? 85 kilos. Ça va encore, clairement. Ah bah totalement, oui. Tranquille. Tu vois, moi par exemple, moi je fais 1m70 pour 80... Enfin, la dernière fois que je me suis pesé, c'était lors de ma visite chez le médecin, pour le médecin du travail, qui remonte à 2-3 ans déjà. Oui, je sais, c'est pas légal. Voilà. Et ça remonte à... Enfin, j'étais à 92, je crois, une connerie comme ça. Pour 1m70. 1m69, normalement, je fais. Donc déjà, là, y a... Pour moi, j'ai un plus gros problème que toi, en fait. Après, j'ai 13 ans. Non, t'as pas 13 ans, GG. Non, mais pas moi, Overmax. Imito sur son âge. Non, c'est Overmax qui dit ça. T'as 13 ans. Ah ouais, t'es grand pour Gangan, 13 ans. T'es bien. C'est bien. Enfin, c'est bien. Même petit, je sais bien, je critique personne. J'allais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais honnêtement aussi, il y a deux choses importantes pour moi. C'est-à-dire que si tu as un poids un peu plus au-dessus de la moyenne, t'en fous en fait, parce que l'important c'est bien que tu sois pas en danger pour ta santé, ça c'est très important, parce qu'il y en a, ils ont vraiment besoin de perdre du poids, parce que c'est sinon ils meurent en fait, tout simplement. Mais là faut vraiment que ce soit d'obésité morbide, donc ça peut être par maladie ou parce qu'ils mangent trop, mais bon c'est très très compliqué de sortir de ça. Mais en même temps il faut que tu t'aimes bien, c'est à dire que si toi ton corps te dérange pas actuellement, ça sert à rien de bosser ou quoi. Si tu t'aimes bien comme t'es, reste comme tu es, vraiment. Parce que bon, tu vas pas changer pour faire plaisir aux autres. Et en plus, si tu veux, c'est pas perdre du poids qu'il faut pour dire perdre du poids. Parce qu'en général, tu le reprends très très vite. Ce qu'il faut, c'est changer carrément ton mode de vie. Enfin, ton mode de vie. La façon dont tu manges, pour ensuite t'adapter au fur et à mesure, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pas tout changer d'un coup. Sinon, ben... Ah ouf, c'est-à-dire que si tu arrêtes tout, tu vas vite en avoir marre et tu vas vouloir reprendre du... des choses un petit peu grasses à manger, et tu vas t'arrêter, et puis bah au final tu vas reprendre ce que t'as perdu, voire comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est un petit peu mon cas en ce moment, j'ai envie de manger des trucs gras, mais c'est parce que j'étais malade pour... Ah mais après dis-toi qu'il a 13 ans aussi, donc il est avec ses parents, ça dépend si ses parents cuisinent des choses saines ou des choses grasses, tu vois, de base. Bah, tu vois, il faut savoir que moi j'étais parti chez la famille de Yuna, donc chez sa mère et son beau-père à Yuna, et on bouffait barbecue midi et soir, et un jour on est parti sur deux journées pizza entière, quoi. Donc je t'imagine même pas le poids qu'on a pris. C'est ça. Donc c'est pour ça, après ça dépend de ses parents, si ses parents font de la cuisine équilibrée, s'ils font des portions équitables, bien évidemment. Parce que s'ils donnent de trop grosses portions, j'avoue que moi je bouffe comme pour 4, hein, littéralement. Ouais. Aujourd'hui, oui, je bouffe un saladier de riz entier, quoi, et le gros saladier. Encore, avec de genre crème fraîche, fromage râpé, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est carrément que tu bouffes un saladier entier Thomas. De pimentaise et que je ne peux pas en avoir, j'ai qu'une cuillère. Je viens de le dire. Dis-le. Je viens de le dire. Il a dit deux fois, du coup. Deux fois, d'après Roxas. Donc voilà. C'est une grosse bouffe. Bah ouais, mais le plus dur en fait, c'est ça, c'est que nous on aime bien la nourriture, on aime bien manger. Et le truc, c'est qu'on a l'impression très très vite de se priver quand on mange pas, ou alors quand on mange des trucs trop sains. Oui, ton corps te le fait sortir à la fin. Un truc qui est méga chiant, et si GG, si tu veux perdre du poids, tu vas le voir directement. Les trucs qui sont sains à manger ont très souvent peu de goût, voire pas de goût. C'est tellement fade, de fou. Au début ça va passer,
Mais au bout de deux mois, tu vas faire purée, j'en ai marre de bouffer du thon, de bouffer du taboulé, de bouffer des trucs parce que ça a pas de goût, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, si tu tiens vraiment à maigrir, c'est un moyen qu'il faut que tu te donnes quoi. Et justement, en bouffant ça, au final, ça va être fade. Ça va réduire tes portions sans même t'en rendre compte, et au final, quand tu vas bouffer de vrais plats, ça va réduire automatiquement tes portions en fait. Ça reste un coup psychologique. Alors, je n'arrive pas à gérer. Attends, oui, là on est parti sur Maïsus, du coup on part sur mon sujet d'apnée. Mais c'est que j'arrive pas à gérer le stress et les larmes, ou la colère et les larmes, alors je bloque tout. Peut-être deux fois les larmes. Bah, il faut en fait ça. Par exemple, pendant une compétition d'équitation, j'ai stress tellement que je bloque ma respiration, tout le parcours, et je ressors souvent avec des couleurs pas très super quoi. Ouais, mais ça, après, c'est un contrôle à faire sur toi-même, je pense. Je pense que c'est un contrôle à faire sur toi-même. Il lui faut un truc pour. Pas voir un mantra ou quoi, on s'en fout de ça, mais un. Comment ça s'appelle? Un stabilisateur. Tu vois ce que je veux dire? Non mais en gros, moi tu vois, je fais des crises de pas d'anxiété, mais si tu veux, j'ai extrêmement peur des gens, enfin du regard des gens ou quoi, et je fais très souvent j'ai des problèmes par rapport à ça. Ça fait comme des milliers d'aiguilles qui me transpercent le corps quand je me promène ou quoi, et que je croise le regard de quelqu'un, parce que j'ai l'impression que bah enfin, voilà. Mais et moi ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'écoute beaucoup de musique en fait, parce que la musique permet de me concentrer. Où je respire très profondément, où je me fais des trucs au niveau des doigts ou quoi. Je les craque pas, mais je serre un petit peu plus le poing, ça me permet de me refocaliser. Un petit peu. Mais ouais, il faut que tu trouves ton truc à toi, hein, qui soit pas dangereux évidemment, mais qui te permette de te calmer. Et de te reconcentrer sur ce que tu fais. Bah après, peut le faire. Après, l'équitation, je sais que c'est sa vie à Malicius. Sur l'équitation, elle est littéralement rien. Mais après, il faut qu'elle trouve autre chose à côté qui fait qu'elle se sente bien en fait. Quelque chose qu'elle puisse, faire, qu'elle extériorise tout ce stress et cette anxiété qu'elle a en elle. Oh merde. Mais après, oui, comme je dis, ça travaille à faire sur elle-même, malheureusement. C'est ça. Bah, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Très très souvent. Après, moi, pour combattre ma timidité, j'avais un petit peu la triche, si je peux dire. Parce que du coup, j'ai la radio et les streams. Qui ne combat pas réellement la timidité puisque c'est complètement différent. Mais ça me donne l'illusion, ouais, et j'aime beaucoup ça. Oui. Ça te permet de t'exprimer, en plus en dehors du fait de voir les gens. Il n'y a pas cette barrière et ça c'est quand même excellent. On est quand même bien plus à l'aise à parler par micro qu'à parler directement à des gens. Alors ensuite, pour revenir à ta conversation, parce que là je suis en train de dialoguer entre deux conversations, c'est terrible. Alors. Over Max, mon pote arabe, il m'a dit qu'il a fait le ramadan MDR. À moi aussi, pareil, le regard des gens dans le bus, à chaque fois, j'ai la tête qui tourne, mal au ventre, je vois tout flou. Après, je pense que ça, c'est différent. Je pense que c'est dû au fait que tu es claustrophobe. Tu peux avoir des symptômes de claustrophobie, je pense. Peut-être, peut-être. Oh, bah, je pense quand même. Attends, ils flattent les objets ? Il faudrait une surface assez équitable. Ouais, mais au pied, je vais creuser là. À partir de là, voilà. Là, je vais y casser et faire une surface. Je trouve pas mes objets. Ah putain, oui, ça flotte! Sur l'eau? Oui, les objets remontent à la surface? Ah, ça c'est intéressant ça, on peut les récupérer du coup. Oui. Oh le con. Mais moi faut que je travaille là-dessus, Pierre me le dit, mais... D'un en fait j'ai pas envie parce que quelque part je sais que... D'un j'aime pas les gens, mais le fait de me maîtriser ça regarde que moi. Mais mon père il fait ouais, faudrait que tu travailles là-dessus. Bah oui. Sur mais quoi non, en fait, parce que je sais que ça me protège des gens. Le fait que je veux pas parler aux gens. Parce que oui, mais après, c'est deux choses différentes. Si tu veux, je pense que ton père, lui, il entend que du fait que t'es asocial. Non, pas asocial, non. Plus anthropophobe. Mais c'est autre chose. C'est vraiment le regard des gens, la peur de discuter avec eux, la peur des liens, la peur de plein de trucs par rapport à tout ça. C'est pas être asocial. Asocial, c'est que tu te sens pas de chez toi parce que tu n'aimes pas les gens. Alors moi, je les aime plus, les gens, et j'ai pas envie d'avoir des relations avec eux, tout simplement, mais parce que.
et en même temps ça me gêne pas du tout, tu vois, je fais mon travail et tout, impeccable, mais parce que ben quand je suis dans le milieu professionnel, il y a pas de souci, j'ai même pas cette peur ou quoi. Donc, ouais, parce que tu sais que ça cadre professionnel, que les gens vont te regarder en tant que professionnel, pas en tant qu'humain. C'est ça, exactement. Voilà. Non, moi en vrai, non, en vrai, la fois où on a fait la radio ensemble, Roxa, ça m'a vachement aidé en vrai. Hein. Parce que du coup, ouais, je suis beaucoup plus ouvert aux gens qu'avant. Hein. Ah, moi, tu vois, c'est l'inverse. J'étais pas trop comme ça avant. C'est depuis aussi que j'ai mon appart et tout et que j'ai pris conscience de beaucoup de choses que du coup, maintenant, je suis très très. Ah, ouf. Non, mais en fait, c'est depuis longtemps que j'ai appris à observer le monde, parce que tu connais très bien mon histoire au collège. Ouais, donc depuis trop longtemps j'ai appris à observer le monde, mais c'est réellement quand j'ai commencé à faire la radio où là j'ai commencé à exprimer en fait. C'est ça. Moi j'ai juste peur de parler aux filles. Oui bah après c'est... Bah ça sera d'autres soucis. Ouais mais ça après c'est son âge, c'est normal. Non moi aussi hein, faut pas se mentir. Bah est-ce que moi je peux dire ça sachant que la gravité m'est composée essentiellement de filles ou pas du tout? Non mais c'est encore différent en plus, je veux dire. Oui non mais je sais mais face à face. Et puis en plus bah ouais c'est ça. Et puis je pense que c'est plutôt aborder une fille, c'est aussi ça. J'ai aucun problème au niveau du contact humain en vrai moi. Parce que du genre, tu vois, je peux aller voir une fille, quand c'était pas ça au CFA, voilà, pour. Parce que je donne un exemple à un gars qui était très timide et qui arrivait pas à parler à son crush, pour dire. Et justement, je lui dis, bah par exemple, faut que tu sois capable de regarder une fille et lui dire, lui faire des compliments, quoi, en fait. J'ai regardé, j'ai fait, bah tiens, toi, par exemple, tu vois, cette fille-là, par exemple, je la regarde, je dis bonjour, excuse-moi, t'as de très jolis cheveux et tout, je trouve ça va bien. Je lui dis cash, hein, comme ça. Elle fait, ah, bah merci et tout, c'est très sympa. Et voilà, j'ai regardé l'autre et j'ai fait, voilà, il faut pas que t'aies peur de faire des compliments aux femmes. Enfin, aux filles, même que ce soit fille ou garçon, en fait, faut pas que t'aies peur de faire des compliments tout court. Et puis non, en vrai, moi, j'ai aucun problème là-dessus, en vrai. C'est bien, parce que moi, ça m'indique à part ce qu'on retient. Bah avec les hommes, je ne suis pas timide, mais avec les filles, je n'ose pas. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas connu, nous. On a un truc qu'on n'a pas connu, nous, Roxas, c'est la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. Je tiens à dire que ça empire de plus en plus. Hein. De plus en plus. Empirer, j'ai connu le pire, t'inquiète pas, crois-moi vraiment. Là, à ce niveau-là. D'avant ou les jeunes de maintenant, crois-moi que j'ai vraiment connu le pire aussi de l'époque. Hein. Bah après, et tu connais mon histoire, donc ça je t'ai déjà raconté, donc moi aussi. Également. Je veux dire, genre, reste les gens, si ce sont des connards, ce sont des connards. Je veux dire. Ouais, non. Pour moi, ce qu'on a vécu, nous. Ils ont pas à nous envier, hein, ceux de maintenant. Donc, ah bah non, c'est clair. Dire maintenant, c'est pas pire qu'à l'époque. Ça, non, je suis pas d'accord avec ça. Ça dépend sur certains cas quand même. Parce qu'il y a certains cas où des fois j'écoute des gens parler et c'est vraiment. Après, il y a un truc qui m'agace, très sincèrement, au niveau de la jeunesse d'aujourd'hui. Ça les concerne pas, mais c'est la vieille génération. Je ne supporte pas la vieille génération. Je ne supporte pas comme la vieille génération parle des jeunes d'aujourd'hui. Ah mais ça c'est pas nouveau. Moi, ah non mais je ne supportais pas ça. Est-ce que toi ça t'est arrivé? Moi je veux dire quand j'étais petit je sortais beaucoup avec mes potes, ouais j'en avais, en vélo et les jeunes, enfin les vieux je veux dire, ils nous regardaient, ils disaient ah les jeunes toujours à l'extérieur et tout, c'est pénible, nanana. Alors que quand on restait chez nous, ah les jeunes toujours devant leur écran, nanana. Mais fermez-les en fait, laissez-nous vivre, enfin nier. Pour eux, on était vraiment que des bons à rien. On n'a pas connu la guerre, donc c'était vraiment. on valait pas, tu vois. Alors, je vais me poser une question. Je vais poser une question, ce n'est pas un jugement. Mais pourquoi tu parles au passé? De quoi? Au passé de quoi? Bah, ta phrase, tu l'as dit au passé en fait, alors que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Ouais, c'est toujours d'actualité, mais moi j'ai grandi. Oui, mais par pas contre, eux. Non, bah ouais, c'est ça, mais je veux dire, nous on a vécu ça et eux ils le vivront quand même. Mais c'est ça, je comprends pas, c'est parce que on commence à rentrer dans une nouvelle génération, c'est-à-dire que ceux qui commencent à dire ça sont un petit peu plus âgés que nous, mais ils sont pas plus trop âgés, tu vois ce que je veux dire. Et c'est à nous aussi de faire des efforts pour pas que les jeunes de maintenant subissent ça. Parce que c'est nous maintenant, la prochaine génération, à devenir un petit peu plus vieille et à gérer ce genre de trucs. Ouais, non, mais je sais. Donc c'est à nous de pas, c'est à nous de pas être des gros cons, en fait, tout simplement. Même si, bon, c'est un peu dur des fois avec les, effectivement, certains jeunes, mais comme je dis toujours, c'est pas tous les jeunes qui sont des abrutis. Ah ouais, je veux dire, c'est l'éducation. C'est l'éducation.
Ouais, mais c'est un grand mot à dire. Mais disons que moi, quand j'étais en caisse dans mon magasin, j'ai eu trois vieux en face de moi. Donc deux femmes et un homme qui était le troisième client à passer. Et qui descendaient, mais d'une puissance, ces petits-enfants. Mais je revenais pas, hein, sincèrement. Hein. J'étais en mode, ouais, ça communique pas, ouais, et tout. C'est plus comme d'aujourd'hui. J'étais maintenant, c'est tout scotché à leur téléphone. Ouais, dans quelques années, ils pourront plus rien faire. Ce sont des handicapés mentaux. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ils se rendent pas compte, sauf qu'ils se rendent pas compte que c'est en disant ce genre de choses qu'ils vont avoir après des problèmes à communiquer avec les gens parce qu'ils vont pas vouloir. Ils disent, ah ben, je suis très bien sur mon téléphone, moi, à parler à des gens, parce que déjà, ils parlent avec leurs amis, c'est eux aussi de les avoir. Mais le fait que les vieilles personnes disent ça et tout, ben, ça casse le moral. Nous, on a vraiment pas envie de discuter avec des gens qui pensent comme ça. Il y a rien à leur dire, ils comprennent pas ce que l'on vit, ils comprennent pas. Ben, ils comprennent rien, c'est ça le truc. Non, mais je sais. Ça ira mieux dans le sens qu'on est vraiment au milieu du truc, on est né dedans. On est né dans la technologie, eux, tu vois, même mon père, encore actuellement, je veux dire, les jeux vidéo, il ne connaît rien. Alors, moi qui passe extrêmement beaucoup de temps sur les jeux vidéo, il dit, voilà, c'est pas ouf, quoi. Alors, moi c'est mon délire, c'est comme si ma mère elle lit des bouquins, bah voilà, c'est exactement pareil. Donc moi c'est les jeux vidéo. C'est pareil, il est fou, quoi. Non, après il y a. Pas, il commence à comprendre parce que je rabâche dessus, mais. Non, mais c'est juste que ça m'agace, quoi, parce que. Ils comprennent pas. Et moi je me posais une question à chaque fois quand j'entends ça. C'est pourquoi vous leur apprenez pas, en fait? C'est pourquoi vous les critiquez sans leur apprendre ce que c'est, en fait? C'est un truc que je comprends pas, en fait. C'est qu'ils critiquent de manière complètement gratuite, mais ils font rien pour changer, en fait. Mais ça m'agace. Hein. Non, et puis, c'est après, c'est que mon avis à moi, mais. Voilà. Honnêtement, il y a une faute des parents. Dans le sens que. Pourquoi vous critiquez les jeunes alors que vous êtes les premiers à leur foutre un portable dans les mains alors qu'ils ont 10 voire 11 ans? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mon premier portable, j'ai eu quand je suis rentré au lycée. Non, moi, mon premier portable, j'ai eu quand je suis rentré au collège. Et j'ai eu. Et pourtant, tu m'envoies des messages, je réponds 3 ans après, quoi. C'est. Réellement. Bah ouais, mais j'avais pas moi de. J'avais pas internet moi avant mes 15 ans. Alors évidemment, j'ai eu le droit à toutes les. Toutes les trucs du genre, ah, tu vis dans une grotte, oh, t'as l'eau chaude. Les fameux trucs du genre, là, c'est des abrutis, mais. Mais honnêtement, tu vois, je m'en plains pas. Donc, Mais ouais, c'est un truc comme ouais, ça. Ouais, non, mais. C'est par exemple, j'ai une génération, mais ça fait deux des gens des villes. Un monde critiqué comme ça, des trucs qu'ils connaissent pas. Non, mais après, c'est. Non, c'est pas moi, je comprends pas non plus. J'ai pas envie de débattre là-dessus parce que ça me décourage, quoi. C'est ce que tu veux, ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai une fille dans ma classe, mais le truc, c'est que... Attends. C'est que dès qu'on fait... C'est que dès qu'on doit faire un travail de groupe à deux, je suis méga timide et je me fais méga petit. Bah, en vrai, est-ce que déjà, tu essaies de communiquer avec elle? Déjà. Dans le sens de partager des choses ensemble, à donner chacun votre avis sur le sujet, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, merci Overmax pour ton astuce de la carte, je ne savais point. Oh, pardon. Ah, grave de pastèque. Nice. Pour les popos. Les popos de Régène. Ouais, parce qu'il m'a dit que tu peux mettre ta carte dans la main gauche si tu veux. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Je ne savais point. Contre là, je l'ai creusé. Mais pas tes pattes sur la monnaie par moment. Ouais, mais genre, oui, un peu, c'est en mode. Elle va dire, ouais, moi j'aime bien comme ça et tout, et. C'est en mode, ah oui, j'aime bien aussi, alors qu'en fait ça te plaît pas. Non, moi, ce que je te. La question que je pose, c'est réellement si, par exemple, ça travaille te plaît pas. Par exemple, tu vois, si des recherches sont fausses ou des conneries comme ça et que tu t'en es aperçu, est-ce que tu vas oser lui dire? C'est ça que je veux dire.
Parce qu'à la base, si tu te fais ton propre avis et que tu vis selon ce que toi tu entends, c'est là où on va t'aimer pour ce que tu es, quoi. Parce que c'est après, elle se rend compte que oui, tu fais absolument. Enfin, si la fille fait tout ce qu'elle veut parce que tu es d'accord avec tout ce qu'elle fait, là, t'es sûr et certain que tu vas devenir une marionnette pour elle. Elle va te manipuler du bout du nez, tu vas rien comprendre. Toi, tu vas penser être gentil avec elle alors qu'elle va en profiter, ça va être une connasse pour de première. Enfin, désolé de dire ça comme ça, mais les personnes qui manipulent les gens, tout ça parce qu'ils sont gentils. Entre guillemets, je déteste ça. Qu'est-ce que tu fais ? Installe-toi. Enfin bon, après c'est mon avis. Attends, par contre je vais faire un truc. Bah oui, maman elle est obligée de t'installer, sinon tu t'installes. On va faire comme ça. Merci pour votre visite de rien, c'est tout à fait normal. Merci d'être venu à toi. Enfin, merci d'être venu pour. Vas-y, tu peux communiquer ? Non mais parle. Hey, salut à tous les rosins. Ah bah voilà, je t'entends correctement. Non parce que tout à l'heure je t'entends étouffé. Non justement, j'ose pas dire le contraire de ce qu'elle dit. Ah bah là par contre, oui ça va être. Non, faut vraiment que tu t'affirmes en fait. Faut vraiment que tu arrives et si par exemple tu te rends compte que par exemple je sais pas, elle va dire la capitale de la France c'est genre Tours, tu vois quand même comme ça. Tu dis non c'est t'es conne quoi, c'est pas ça. Hein. Je dis non, je fais mes recherches, tu vois ce que je veux dire. C'est Dijon. D'ailleurs, tu sais pourquoi il y a autant de célibataires à Dijon? Attends, laisse-moi. C'est parce que c'est une blague ou c'est une vraie info? Non, c'est une blague. Enfin, je sais pas en fait, c'est les deux. Alors. Vas-y, je sais pas. Parce que l'amour tarde. Alors, attends, ça c'est une falaise. Ouais, je peux sauter, c'est bon. Et il le sait en plus. Putain, hein quoi? Non, en vrai c'était pas mal. Qu'est-ce que t'as? Tu me tues avec tes blagues. Et moi j'ai. Oui, mais c'est pas toi qui l'as fait les blagues. Bah oui, mais moi je l'entends. Bah oui, mais moi je t'entends pas, donc continue à communiquer. Tu le sens fond dans les oreilles. La moutarde des Dijon, exactement. T'as vu ça? Eh bien, blague. Mais ce nombre d'abonnés que je gagne depuis 2 jours. En 2 jours, j'ai gagné 10 abonnés. C'est bien, quoi. Excellent. Hein, Yuna? Putain, quand je lui parle, là, elle répond pire, hein, c'est terrible. Non, alors, soi-disant, t'entends ce que je te dis, hein. Mais quand je te parle, il n'y a plus personne, là, hein. En 2 jours, j'ai gagné 10 abonnés. C'est choquant. La moutarde de Dijon, oui. Si vous voulez, après, on peut partir dans une soirée blague. Je suis nul à ça. Dit-il. Ah là là. Mais oui, mais en même temps. Malicieux, tu veux vraiment pas dire ton âge. Après, Overmax, je vais t'apprendre quelque chose sur ma chaîne. C'est que sur ma chaîne, en fait, on ne force pas les gens à dire des choses, en fait. Peut-être sur les autres streams, je sais pas du tout comment ça se passe, mais peut-être que c'est comme ça. Mais moi, par exemple. Si elle ne veut pas te dire ton âge, donc tu lui dis une fois, tu dis ouais, t'as quel âge, Bessius? Elle te dit non, j'ai pas envie de le dire. Tu lâches l'affaire direct, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est quand même la deuxième fois que tu le dis, t'étais pas au courant de cette règle. Voilà, mais sinon, si elle te dit non, tu fais non. Pourquoi, qu'est-ce que t'as? Bah, je sais pas, j'étais au milieu là de là où je suis, sur une montagne et tout. Eh, mais il y a un truc qui m'a attaqué. Qu'est-ce que. C'est un oiseau? Mais je me fais attaquer par des spectres! C'est cool ce bordel! Créature que je parle d'être qui chasse les gens fatigués! Hein? Mais mec, attends, je connais pas ça moi! Ah oui! Mais est-ce que je suis pas en train de m'attaquer? Et si tu veux aussi, je peux te TP à moi si tu veux, Roxas. Du coup, si tu veux rentrer à la maison. Non, je vais me perdre moi sinon. Non, mais. Je suis très loin là. Méga loin! Bah, je te vois en fait, j'ai la carte dans la main gauche et je te vois en permanence. Je suis au moins à 2 pâtés de maison là. Ouais. De pâté de maison. Non, c'est que j'ai des trucs à faire là dans le coin. Je me fais une grosse baraque. Enfin, je vais commencer à faire une bonne base et tout. Ah, d'accord, ok. Donc, ouais, tu me quittes pour aller. Pour aller sur des terres. T'as quoi comme terre d'ailleurs? Des terres enneigées, non? Semi-enneigée avec beaucoup de. D'arbres et tout, de prairies à côté, de l'eau. J'ai un petit peu de tout, j'ai de la glace. D'accord, bah je viendrai plus tard dans ce cas-là parce qu'on est censé faire une survie à deux, hein, mais. Là pour l'instant, comme je t'ai dit. Survie à deux, là je fabrique notre nouveau chez nous. Ok, bah tu me diras quand tu seras prêt, je viendrai. Moi pour l'instant, je vais aller faire du loot. J'ai tué un spectre.
Ok, je connaissais pas. Vraiment, c'est nouveau, c'est bien. Mais après, ouais, faut vraiment que je trouve le moyen de perdre du poids rapidement, quoi, en fait. Pourquoi rapidement? Bah, histoire que je sois présentable, pourquoi on se reverra? Parce que je t'en prie que c'est en octobre, normalement qu'on se revoit. C'est ton mécontentement, ceci? Bah, complètement. À quel moment tu veux être présentable quand j'en reviendrai? Je m'en fous, Valère, moi. Moi, je t'aime bien comme t'es. Bah, peut-être, mais moi, non. Pour moi, non. Moi, je suis désolé. Bon, ça va faire quand même un petit peu chèvre que je vais dire ça. Mais moi, tu m'as connu un petit peu le GG assez fort de caractère. Assez. Voilà. Tu vois, assez. Assez fier, on va dire. Et là, tu vas me voir gros. Non, je vais faire un non. Ah ouais, parce que du coup, être gros, ça enlève la fierté? Ah bon? Bah non, mais tu me verras. Avec des joues. Non, non, en vrai, non. Non, mais après, même, c'est juste pour moi-même, quoi, que je maigris. Parce que je sais très bien que, voilà, je dépasse les bornes sans mauvais jeu de mots. Mais fais-le voilà. Pas trop vite, hein. Vraiment. Hein? De quoi? Fais-le pas trop vite. En plus, c'est dangereux de perdre du poids vraiment vite. Oui, je sais, oui. Parce que du coup, après, tu peux vraiment avoir des carences et après, du coup, il y a des problèmes un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, prends bien le temps et tout. Vraiment, on ne se trouve pas trop pressé. En plus, octobre, mec, t'as largement le temps. Et puis, pourquoi octobre? Bah, par Gamesook. Ah, oui, c'est vrai, c'est octobre. Donc, fin octobre, début novembre. Ouais. Il faut vraiment que j'aille ce truc. Mais il faut que je m'organise là-bas parce que je sais pas où loger. Je sais pas comment je vais y aller non plus, mais bah, je pense que ça va être plus le train ou bah, quoi. T'inquiète pas, on ira ensemble, on prendra un week-end ensemble, on ira à l'hôtel, y'a aucun problème. Ouais, va falloir trouver un hôtel et puis se repérer à mais Paris, non, mais tu viendras aussi, toi, t'inquiète pas. T'es prévu dans le voyage aussi. J'aime bien Minecraft, j'ai mis beaucoup de temps. Je vais le défoncer, viens ici le spectre. Tu le vas à la PGW, y'a des chances que j'aille à la PGW. Ça va dépendre de mon argent déjà. Parce que le problème, c'est que Yuna, à l'heure d'aujourd'hui, depuis peu de temps, si je peux dire, elle s'est sauvée de son boulot de merde. Et le problème, c'est que bah, maintenant, au lieu d'avoir de salaire, il n'y en a qu'un seul. Du coup, c'est peut-être un petit peu difficile. Et du coup, ça va dépendre de ça, si je vais à la Paris Games Week ou pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de chute. Je vais te défoncer. Reviens ici, le spectre. Allez, viens. Viens, viens, ah, vraiment. Tu vas taper dans le vide parce que c'est un fantôme, tu vas rien comprendre. En tant que youtubeur ou abonné? Bah si je vais en tant que youtubeur, j'ai 140 youtubeurs, enfin j'ai 140 abonnés, pardon. Non, je vais aller en tant qu'abonné, hein. Enfin encore, je vais aller pour moi-même surtout. Je vais pour moi-même. Après si on les, enfin si tu les croises. Oui bah après c'est déjà prévu que je croise une de mes abonnés, enfin une personne de la Gravity Team. Du coup je répète encore une fois la Gravity Team, ce que j'appelle la Gravity Team, ce sont mes modérateurs. Du coup c'est déjà prévu que je rencontre une personne de la Gravity Team. Là-bas. D'accord. Puis après, bon, on verra bien. Hein. S'il y en a d'autres qui veulent faire des photos avec moi, moi ça me dérange aucunement. Moi... Bah ok, bon, pas de soucis. T'es mon plus fidèle abonné qui ne regarde jamais mes streams. Oh, il regarde quelques fois. Ouais, le seul que t'as regardé, c'était il y a deux soirs. Non, ou c'était hier? Non, c'était il y a deux soirs. Oui, c'était samedi soir. C'était samedi soir pour White House, tu vois, donc tu vois ce que je veux dire. Parce que Manu Blanche, ouais, tu l'as pas suivi. À chaque fois quand je suis au boulot, je regarde. Oui, mais je peux pas regarder les nuits blanches, je travaille le lendemain. Non, mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans ta phrase. Hein. De quoi? Pendant que je suis au boulot, je regarde tes streams. Il y a quand même quelque chose de bizarre dans la phrase. Ne jugez pas. Bah, moi j'aimerais bien, mais je capte pas dans là où je bosse, dans mon métier de merde, de fils de. Voilà. Et je capte pas. Bah ouais, c'est un super métier, mais y a pas beaucoup de gens. Et quand tu fais tout déjà la veille ou le matin, et que t'as plus rien à faire, bah moi, en vrai, je kiffe mon métier. Parce que je veux, donc. Je kiffe mon métier, mais pas dans le lieu. Mais en fait, je kiffe mon métier, mais moi, en fait, je devrais plus me spécialiser dans les fruits et légumes que dans la vente multispécialité. Vous travaillez dans quoi? Alors, Roxa, c'est fromager, moi, je suis fruits et légumiers. Fromager, ouais. Crémier plutôt, parce que fromager, c'est celui qui fait le fromage. Oui, bah t'es laitier alors. Et je ne le fabrique pas. Je suis crémier, ouais. vendeur et conseiller spécialisé dans l'alimentation, section fromage. Ça, c'est mon titre officiel. En vente spécialisée, dans le secteur du fromage. Et conseiller, vendeur et conseiller. Et conseiller, monsieur.
Et moi je suis vendeur de... Et moi je suis dans les fruits et légumes. 170 euros. Voilà, c'est un métier. Mais le problème c'est que moi je sais pas un magasin spécialisé comme par exemple tu vois Roxas, il y a une boutique de fromage. Et section œuf, c'est quoi? C'est section éleveur. Après, après moi, tu vois, c'est un magasin, moi. C'est pas une boutique comme Roxas. C'est là où est le problème, c'est parce que moi, c'est tellement de du foutage de gueule, mais puissance 10 000 que ça me casse les couilles. Quoi. C'est en mode, bah vu comme c'est que je fais tout dans le magasin, quoi. C'est qu'à le dire. Je fais tout dans le magasin, et je me fais engueuler c'est parce que je fais tout. Très. Non mais t'imagines même pas. Hein. Je sais quoi là, il y a Mali sur stream, et Mali, je sais que je lui dis ce qui se passe un petit peu au magasin. Et qu'elle-même, elle en revient pas quoi, c'est pas humain. C'est qu'à lui dire, c'est pas humain quoi d'être comme ça. Mais moi pourtant je le vis, malheureusement. Bon, ça j'ai hâte de me barrer de là. On verra bien. Bah, moi franchement, tu vois, je suis très content, on m'avait dit, tu vas voir travailler en famille et tout, c'est vraiment pas bien, il y a des prises de tête et tout, tu vas ruiner ta famille. Et bah, figure-toi que ça fait combien de temps que je travaille maintenant? Ça fait 9 ans. 4 ans et demi. 8 ans, pardon. 4 ans et demi, voire 5 ans, et je me suis jamais disputé ou quoi avec ma mère parce que je travaille. Ah, parce que tu comptes pas ton apprentissage? De quoi? Ah non, je compte pas mon apprentissage. Moi, je travaillais, j'étais pas encore professionnel lors de mon apprentissage. Je suis devenu professionnel une fois que j'ai eu mon diplôme et que. Moi, je le compte quand même. Vraiment travailler. Je le compte quand même parce que du coup, c'est là où t'as appris à travailler. C'est là où t'as appris à travailler, donc moi je ouais, quand vrai. Même. C'est vrai. Bon bah du coup ça fait ouais c'est ça, ça fait 6 ans. Alors hop, Overmax qui nous dit qu'il aimerait devenir garagiste plus tard. Mais c'est cool ça déjà que tu c'est cool que tu saches ce que tu veux faire plus tard. Tu sais ce que tu veux faire, ouais c'est bien. Garagiste c'est pas mal. Parce que c'est très rare ouais, d'avoir des jeunes comme ça qui savent ce qu'ils veulent faire. Je suis très très nul en tout ce qui est manuel et tout, je suis vraiment pas du tout manuel. Oh, ne va pas, va pas dans les ministères alors. Oh putain. Ah bah non, mais c'est sûr, mais j'aimerais beaucoup apprendre un petit peu plus, histoire que je puisse me débrouiller. Que ce soit un petit peu, tu sais, déjà monter des meubles ou quoi, bon, de toute façon ça va le faire au fur et à mesure. Alors, ébéniste, tu les fabriques, c'est pas pareil. Ah oui, non, mais je sais. Je suis déjà allé en haute montagne, monsieur. Ah non, mais moi j'ai déjà bossé en ébénisterie. J'ai fait ébénisterie, j'ai fait menuiserie, maçon. T'as un métier de passion, de droite. J'ai fait agent technique. Et vendeur. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, j'ai dit, c'est tout ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal en vrai, mais. C'est pas mal déjà, ouais, c'est ça. Moi j'ai fait fromager. Hein. C'est tout ce que j'ai, hein. Voilà, écoute, fromager, tu vois, je fais un CV, je pourrais trouver que fromager, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah bah ça, ouais, mais je trouverai tous les jours, donc c'est bon. Oui, il y a des chances, oui. Bah ouais, parce que t'en connais beaucoup des jeunes qui sont fromagers? Non. Et du coup, ouais. Ça recherche extrêmement beaucoup, si tu sais pas de quoi faire, et bah voilà, tu peux y aller dans le fromage. Parce que moi, faut pas que je fasse ça, parce que moi, les œufs, je les vendrai pas, je les garderai pour moi. Oui, c'est vrai que Malicius, toi, t'as un amour inconditionnel pour les œufs. MDR Malicious, non mais ouais, mais eux là, mais faut pas qu'ils me parlent, sinon je vais me foutre en apnée et décéder dans 2 secondes. Moi je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Équitation en professionnel, encore, non Malicious. Oui Malicious, t'as encore le temps, oui. T'as encore 5 ans à attendre. En plus, si tu continues tes études, t'as encore plus que ça. Et encore, tu sais, là, j'ai envie de te dire, je vais prendre l'exemple de mon frère, le plus grand. De base, il a passé un bac, d'accord, je crois que c'était bac ES qu'il a fait en économie. Ensuite, il est allé en fac de droit. Ensuite, il a abandonné pour faire une fac au niveau, tu sais, pour faire des technologies, là, le codage, tout ça. Il a informaticien. Il a fait, ouais, c'est ça. Programmeur. Ensuite, il a passé un BTS ensuite... être chef d'un groupe dans le marketing, dans le commerce, tout ça. Du coup, il a travaillé à Auchan, en acte commercial. C'est ça. Ensuite, du coup, il a abandonné parce que ça lui saoulait. Et du coup, là, il est en train de faire, et maintenant, ça lui plaît extrêmement parce qu'il a enfin trouvé son truc, en gestion du patrimoine, en histoire de l'art. Ah oui, la vache. Du coup, là, ça fait 3 ans. Et puis là, il va bientôt avoir son master. Du coup.
Et puis bah voilà, ah, yes. Mais tu vois, il a vraiment fait beaucoup de choses qui lui plaisaient pas forcément, mais au moins il les a fait, et figure-toi quand même que c'est assez intéressant parce que ça lui sert quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le droit et tout, maintenant, bah, c'est impeccable pour lui. Parce que bah, ça lui sert quand même à pouvoir s'exprimer, à avoir du vocabulaire, à être un peu plus fort quand même en orthographe, à savoir parler, voilà, c'est quand même vachement bien. Ah bah après, oui, c'est sûr que si t'es commercial, faut que tu saches bien parler. Il a clairement pas, bah ouais, et puis il a clairement pas choisi tout de suite, hein, et il était un petit peu paumé. Et puis maintenant qu'il a trouvé, bah il kiffe, il surkiffe. Et ça, c'est très bien. Donc honnêtement, t'inquiète, vraiment, t'as le temps. Les gens, ils vont te foutre la pression pour que tu trouves quelque chose en disant oh, vous savez ce que vous voulez faire. Bah ouais, mais non, en fait, tu le sauras qu'au moment vraiment où tu. Imagine, t'as une idée fixe d'un boulot. Si tu fais pas de stage ou quoi que ce soit dans ce boulot, le jour où tu vas arriver dedans, tu vas faire ah ouais, c'est ça. Et puis tu peux être déçu ou tu peux être extrêmement content. C'est. Mais bon, prends le temps, quoi, de choisir. Et surtout, un truc important, fais ce que tu aimes. Ça, c'est super important. Moi, le fromage, la plupart du temps, je vois pas les journées passer. Sauf où il y a vraiment personne. Et dans ce cas-là, c'est méga long. Mais j'aime beaucoup mon métier. Je suis content d'aller au boulot le matin. Et ça fait plaisir. Alors du coup, par contre, je vais tout de suite couper la conversation entre Overmax et Bellisus pour aller plus bas, pour parler à Laurent et Ria. Du coup, coucou à toi. Mais je pense que, vu ce que tu dis, tu dois parler de l'autre Sora, celui qui a 6 millions d'abonnés. Parce que si tu parles de lui, ce n'est pas moi, je t'ai précisé. Et du coup, Recréart. Oui. À côté de toi. À côté de toi. Du coup, après, je ne sais pas, pour être cavalière. Déjà, je ne sais même pas le salaire. Et je ne sais même pas s'il faut des diplômes ou quoi que ce soit. Donc, après, ah, peut-être. Je ne saurais pas non plus. Je pense qu'il faut aller dans une école spécialisée du style bac de sport ou un truc du genre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, mais par contre, tu peux demander à Malicious. Je ne suis vraiment pas sûr. Tu peux demander à Malicious parce que Malicious, elle qui est dans l'équitation, elle pourrait vachement te dire. Après, ouais, dans les études, je ne sais pas. Aucune idée. Après, il y a aussi peut-être dresseur, tu sais, dresseur de chevaux et tout, c'est aussi peut-être dans là-dedans. Je sais pas si ça en lien avec ce que tu veux faire, mais. J'en ai aucune idée. Après, ça m'a les choses de nous dire, ça, pour ça. Bah ouais. Oh, chacun son métier, j'ai envie de dire, enfin, chacun son domaine. Bah, chacun sa route, chacun son chemin, hein. Chacun sa vie, chacun son destin. Mais oui. Je sais même plus qui chante ça d'ailleurs. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa vie, chacun son destin. Je sais même plus qui chante ça. C'est Black M sur ma route, oui. Non, non, très certainement pas. Non, non, vraiment. Ah, je te jure que si jamais je vais citer du Black M, je te jure que je déprime pendant très longtemps. Oh, ouais, Manu, cette droite là. C'est intéressant ça. Je suis paumé. J'ai entendu un son étrange dans la droite. J'aimerais bien avoir du diamant, mais j'en ai pas. C'est chiant. Faut au moins galop 8 ou 9 et des études au cadre noir de Saumur. Oh, Saumur, c'est à côté de chez moi en plus. Ouais, ça pas très loin, ouais, tout à fait. C'est un indien dans la ville, la musique. J'ai pas compris. Saumur, c'était bien, j'ai visité plusieurs fois le musée des chars d'assaut là-bas. C'était assez excellent, avec mon grand-père. Non, moi j'y ai jamais été. Petite critique sur la chaîne, tu pourrais au moins faire des miniatures. C'est mon avis. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout dessiner. Si tu veux, tu peux descendre plus bas dans ma chaîne YouTube. Tu peux descendre plus bas dans ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des miniatures, en fait. Mais le problème, c'est que je n'ai pas forcément le temps d'en faire, surtout. C'est que même après, même vidéo, tu vois, avant, je mettais des tags, je mettais plein de trucs comme ça avant. Dans mes vidéos, que c'était un petit peu plus travaillé, si je peux dire. Tu sais, au niveau des tags, au niveau du titre, au niveau de la description, enfin bref, il y avait vraiment des trucs avant, mais le problème c'est que maintenant j'ai pas spécialement le temps de faire. Et bah c'est triste, hein, du coup, parce que j'entends très bien, hein, ce que tu me dis, hein, mais peut-être que oui, quand j'aurai quitté ce boulot de merde, je le ferai sans aucun problème. Connard, hein, tu veux mourir. Mais pour l'instant, c'est pas réellement faisable. Malheureusement. Et là c'est de l'ardif, donc c'est pas non plus trop gênant. Ouais, mais après, le problème c'est que moi c'est que d'ardif en fait. Ouais, bon. Voilà. C'est sûr. Parce que j'ai fait que des streams, moi, donc. Non. C'est bon.
C'est la faille. Il y a des graviers qui m'est tombé dessus. J'ai fait non, je vais pas mourir à tout. Faut que tu mettes une torche en dessous de toi. Oh putain, ça c'est pas bon ça. Ouais, mais c'était pas prévu qu'il y ait un truc au-dessus parce que je cassais juste du charbon. Allez, allez, yes. Oh, fait chier, putain. Oh, nice, un petit peu de fer ouf. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est dans le film Un Indien dans la ville. Non, moi je parlais du chanteur directement. Oh, ça date, Un Indien dans la ville, c'est aussi. On est aussi allé dans une cave. Ah bah excuse-moi. Non mais après t'inquiète pas, j'entends tout à fait ce que tu dis. C'est absolument pas une critique que je t'ai fait, mon cher Créatart. Très dur à dire. T'inquiète pas, j'entends bien. Mais c'est juste que voilà, quand j'aurai beaucoup plus de temps, je le ferai, ne t'inquiète pas. Mais pour l'instant, sache que ce n'est pas possible pour le moment. C'est comme moi, j'aimerais beaucoup refaire des montages et tout sur mon ordi, mais ça me fait trop peur. Il faut tout le matos. Un jour, ça se fera. Mais c'est ça, et puis même ouais, quand je récupérerai mon PC, oui, là je le ferai, mais même là, mon PC actuellement, je l'ai plus. Toi, je t'ai vu, tu vas dégager tout de suite de là. Ils vont dans la passion. Ah, je l'ai touché en critique. Ah, je savais pas que je touchais les créateurs en critique. Toi, je viens d'apprendre quelque chose. Ça me fait rire quand même, hein, les créateurs de contenu qui engueulent presque leur communauté parce qu'ils font pas assez de vues ou quoi, mais les gars, vous avez rien compris en fait. J'ai jamais entendu ça. Bah moi écoute, je suis déjà tombé sur des vidéos de personnes qui disaient « Ouais, j'ai fait 2 heures de montage, c'est inadmissible d'avoir que 60 vues, vous me saoulez, je... » Non mais à quel moment en fait tu parles à ta communauté comme ça? Sérieux? Y'en a vraiment qui disent ça? Ouais, c'est assez scandaleux mais bon. Non mais je suis désolé, mais moi tu regardes ma vidéo la plus vue sur YouTube actuellement, j'ai fait 1700 vues dessus. En moyenne, tu regardes mes vues qui sont faites par rapport à la nuit blanche, notamment Dead by Daylight et PSO2, je crois, qui sont les deux moins vues de ma nuit blanche, qui ont fait 6 et 8 vues, si j'ai bonne mémoire. Et pourtant, c'est pas autant que je vais engueuler en mode ouais et tout, vous avez intérêt à me faire des vues, sinon je vous jure que j'arrête YouTube. Enfin, non. Je dis à la base, si tu fais du bon contenu, les gens vont venir. Si les gens ne viennent pas. Du bon contenu, et puis surtout, tu fais le contenu pourquoi? Moi, je vois, je fais pas de stream si j'ai pas envie. Et si je m'abuse pas, bah voilà, c'est pas intéressant. Moi, je l'ai fait avec toi parce que bah, c'est excellent. Je veux dire, on s'entend bien, on se tape des bonnes barres, on passe un bon moment et c'est important, je trouve. Alors, ceux qui font ça vraiment juste au final pour avoir des abonnés ou quoi, bah. C'est ce qu'on appelle faire ça pour l'argent et je trouve ça dommage. Comme toi, là, vu que ta communauté en plus, toi, ça fait un petit moment que tu l'as. Bah, c'est que tu commences à les connaître, t'as des liens qui commencent à se former avec eux et tout, et ça, c'est vraiment bien. Mais c'est justement les gens qui veulent absolument. Désabonnés, je vois pas comment ils peuvent avoir un lien comme ça, surtout quand ils engueulent. C'est inadmissible, je trouve. Désolé, je dois me coucher. Pas de soucis, Laurent Elirard. Erilard. Salut, Laurent. Des bisous à toi. qui connaît Louis de Funès et qui ne connaît pas Louis de Funès? Tu pourrais mettre juste une musique de fond, il y a plein de nos clips. Bah, sachant qu'il y a déjà une musique dans Minecraft, ça sert à rien que je mette une musique de fond. Ça va juste se chevaucher et puis ça va donner quelque chose de dégueulasse. Par contre, je suis perdu dans une grotte là, c'est terrible. Sachant que tous les jeux que je fais, en général, il y a toujours une musique de fond. Après, quand il y a réellement pas de musique, c'est du genre White Noise ou Dead by Daylight dans lequel ça fait réellement partie de l'ambiance du jeu. Parce que là, non, il n'y a pas ce que je mets de deux, voilà. Il n'y a pas ce que je mets de musique. Le mec dans White Noise, il va faire mettre pour les tourner serviettes. petit poney de White Nose. Ah non mais je te jure. Ok, après t'inquiète pas, c'est voulu. Après je sais que, en plus je crois que j'ai jamais fait de vidéo dans laquelle je disais putain faut que je mette une musique. Parce que tout, en fait même le principe d'un jeu c'est de profiter du jeu en son ensemble en fait. L'ambiance sonore, effectivement. Voilà, et du coup, si un jeu possède de la musique, sachant que moi je suis extrêmement musique dans un jeu vidéo, la première chose que je regarde dans un jeu vidéo, c'est la musique, obligatoirement. Si la musique me plaît et me hype, c'est là où je vais réellement profiter du jeu. Si la musique ne me plaît pas, t'es sûr que le jeu, je vais pas l'aimer. Obligatoire. C'est vraiment ce qui fait pour moi l'ambiance d'un jeu. Un jeu d'horreur, bien évidemment, il y aura pas de musique, comme White Nows ou DBD. Il n'y a vraiment pas de musique. Voilà, là c'est réellement quelque chose de... C'est l'ambiance qui fait en fait le jeu pour moi. Et pour ça que quand je mets réellement un jeu sur YouTube,
même quand je stream un jeu, c'est réellement pour tout ce qu'il y a derrière que je mets le jeu. Donc aussi bien la musique, du coup c'est pour ça que je ne mettrai jamais de musique dans mes vidéos YouTube, parce qu'il y aura déjà la musique du jeu en lui-même. Je me répète beaucoup hein, je trouve. Hein. Je cherche mes mots et en même temps je suis en train de me battre contre des mobs et j'arrive pas à parler. Non, la chanson du poney. Non, non, pas petit poney. Moi aussi je dois me coucher, je me lève à 6h, à bientôt. Pas de soucis Overmax, de gros bisous à toi, bonne soirée à toi et puis à bientôt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée. Mais voilà, donc j'espère que j'ai répondu à tes attentes, Kratmax. Si t'as d'autres questions, d'autres sujets que tu vas me faire, par exemple, tu vois, les miniatures, je te l'ai dit, c'est oui, mais pas maintenant. Et par contre, pour la musique, je te le dis clairement, ça sera non. Je ne mettrai jamais de musique dans mes vidéos. Parce que du coup, si le jeu n'a pas de musique, c'est fait exprès. Et si. Si non, mais ça, après, je m'en fous du copyright. Hein. Sincèrement, tu verras le nombre de strikes que j'ai pris sur YouTube parce que j'avais de la musique. La musique au droit d'auteur. Sincèrement, mais toi, t'en serais choqué. Dans ce cas, tu fais quoi? Tu l'enlèves la vidéo? Non, non, je la laisse. Je la laisse parce que ça n'avertisse pas. Mais j'ai déjà dû supprimer des vidéos parce que j'avais de la musique copyright et je me suis littéralement fait strike à cause de ça. Il y a eu Godeter, auquel je me suis fait strike. J'ai eu L'essai de ne pas rire 2 que j'avais fait, auquel je me suis fait strike. Il y a eu. Il y a eu quoi? Il y a un autre jeu aussi que je me suis fait strike, mais je sais plus ce que c'est. Enfin bref, je me suis fait strike sur pas mal de jeux, mais en général, quand il me dit ouais, juste ceci est un avertissement, je laisse la vidéo, quoi, je la supprime pas. Enfin voilà. C'est ça. Après, oui, il faut vraiment bien chercher. Ok, la démonétise, quoi, si jamais tu les démonétises, mais. Oui, oui, voilà, mais j'ai pas de monétisation. Et même justement, le fait, le fait que tu monétises la vidéo, c'est qu'une part du droit d'auteur que tu as, une part des avertissements de droit d'auteur, donc l'argent que tu gagnes sur la vidéo va justement à l'auteur en question. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le droit d'auteur. Mais vu que mes vidéos sont bien automatisées, soit je me prends des strikes, soit je prends des avertissements. Mais quand je prends des strikes, je suis obligé de les supprimer, sachant que mes vidéos ne sont pas monétisées. Du coup, là. Bah, moi, je vais pas en cours, mais je dois amener ma soeur à l'école. Joie. Ouais, génial, super. Après, je commence à 13h. Moi, je commence à 15h demain. Mais moi, je reprends mon taf et je taffe jusqu'à 20h15. Lol, j'ai tellement pourvillé. Pas demain, moi, ça va. Comme ça, demain soir, si tu veux. Ah ouais, mais je sais pas comment je passe mercredi. Hein, c'est triste. Écoute, j'aimerais bien sortir de là. Par contre, je me lève tôt depuis moi, je ne stream ah, salut Yuna. Peut-être dans l'après-midi, mais je sais pas trop. Attends, moi, je suis bloqué de ma grotte, j'arrive pas à sortir. C'est terrible. Je crois que c'était du lapis. Ah yes, j'ai retrouvé la sortie, cool. Yes. J'ai un émeraude si tu veux d'ailleurs, Roxas. Ça marche. Enfin, t'es toujours à l'autre bout de la map parce que je vois. Ouais, bon écoute, je me promène un petit peu, tout ça. J'explore. Hein. Non mais vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Youp là. Hop, moi je vais retourner dans ma casa. Mais ils sont dangereux. J'ai failli tomber de fou là. Eh. Hey. Ils sont horribles ces monstres là. Vraiment. Hop. Ça me manque en vrai les streams Minecraft sur PC que je faisais avec les UHC et tout ça. Ça manque un petit peu. Ouais. Y'a qui? Y'a Roxas et toi ou y'a Wargame avec vous? Non, non, y'a que Roxas et moi. On est en duo sur. On est en duo abandonné dans. En naufragé. Luna. Ah, qui ça? Luna? Oui, Luna. Bah, d'accord. Elle stream plus? Non, elle stream plus, elle est sur mon stream là. Non, j'en avais proposé tout à l'heure si ça l'intéressait de venir sur Minecraft, mais elle m'a dit non, donc... Bah du coup, là, je vais venir avec vous, mais je peux pas. Bah t'as le jeu au moins? Bah non, je suis obligé de passer sur ta session. Ah ouais, mais De toute façon, on en fera d'autres, hein, des... Voilà, bah c'est... toujours dans la même map, je pense, mais... parce qu'elle a l'air sympa, la map, elle a grande et tout. Oui, mais Sacha... Alors, je sais pas si t'es au courant, Roxas, mais normalement, tu peux sortir des limites de la map. Ouais, ouais, ouais. Je m'ai dit, normalement. C'est vrai. Si tu veux les prochaines sessions, tu pourras jouer avec nous.
J'ai trop de fer, c'est terrible. Putain. Mais je suis sur le four là. Vous avez de nouveaux abonnés. Arkwimi. Arkimi, je sais pas où ça se dit. Hop. Voilà, donc le fer pour l'instant j'en ai pas besoin. J'en ai trop, je ne sais pas quoi en faire. Merci. Je me sens moins seul. Ça, ça dégage. Par contre, flèche, j'en ai pas assez. Si, attends, je vais aller poser mes graines de pastèque. Depuis tout à l'heure, je l'ai dit, mais je le fais pas. Quand je vais après... poser idon. Après, j'aimerais bien aller au Nether. Il me faut de l'obsidienne. Oh, poser idon. Ah, pas mal, oui, en effet. C'est comme mon Alléluia tout à l'heure. Je peux pas vous rejoindre, c'est dans la session de Sora. Yes. Bah, le prochain game, tu le feras avec nous si tu veux. Et j'ai dit, bah non, je suis trop con, putain, mais je me dis, ouais, vas-y, attends, faut que je fasse. Je remonte exprès pour faire des pioches. Ouais, mais je pense que je vais aller dans le Nether. Je vais les galérer beaucoup. Parce que le Nether sur console, c'est une horreur. Vraiment, hein, je pèse mes mots quand je dis ça. Du coup, go Nether. Je n'ai pas de diams. Je vais aller faire mes graines tout de suite. Ce sera fait. T'as Ali à côté de toi ou pas? Non. D'accord. Non, ça c'est pour descendre plus bas. Là, je vais. Attends, parce que là, je vais avoir la révélation de ma vie. Je dis waouh. Putain! Tu vas trop vite, Sora, calme-toi. Lol. Ils ont exploré des montagnes souterraines. Ça, c'est comme un gros que ça, ça. Mais il y a des montagnes souterraines, hein. Arrêtez. Attends, je suis trop con, hein. Je peux faire plus de ça. Ça existe, hein, j'y peux rien. Putain, mais je suis débile. J'y peux rien. Et puis, voilà, pour être sûr jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, je suis sûr jusqu'au bout. T'as des portes de partout, c'est n'importe quoi. Ah putain, je m'amuse. Ils ont fait que miner, même pas une mine, rien du tout. Même pas du tout, même pas une mine. Non, j'ai trouvé une faille sous-marine. Mais réellement sous-marine, hein, c'est-à-dire que la faille était remplie d'eau, j'ai crevé dedans. Si ils ont rajouté un contenu, c'est que tu peux maintenant tu les montes beaucoup plus vite les sources d'eau. Et tu descends beaucoup plus vite aussi. Hop. Popole ! Pardon. Là, ils ont trouvé de la pastèque, tu vois ce que je veux dire, Sora. Oui, mais je l'ai pas trouvé dans, bah moi, du coup, dans une jungle. Je sais pas ce que je fais, du coup, vu que personne n'est allé sur mon stream. Genre, tu fais un pas dans la jungle, tu trouves une pastèque. Ils ont gaspillé des œufs. Mais je sais que t'as un amour inconditionné pour les œufs. Je sais que tu aimes les œufs. Sauf que ça dégage. Ça va dégager. Ça dégage. Ça dégage. Du coup, 1, 2, 3. J'étais stupide, j'ai remonté vite def. Encore, je les ai mis côte à côte, j'aurais pas dû. C'est pas grave, hop. Toi, par contre, je sais pas ce que t'es, mais tu as dégagé. Merci. Donc, ok, donc ensuite maintenant, go Nether. En plus, j'ai une source de lave à côté, du coup, c'est cool. J'aimerais un lac de lave. Putain, mais. T'as découpé les feuilles dans Minecraft, c'est ça, moi. En plus, tu dégages, j'ai rien demandé. Toi aussi, tu dégages. Ah oui, putain, ils ont rajouté un bruit quand tu lootes les objets. C'est n'importe quoi. Les vilains, faut les juger. Oui, non, mais Malicious les a déjà jugés. Il a dit qu'on devrait périr en nous faisant buvoir de la lave jusqu'à ce que mort s'en suive. En nous faisant boire de la lave, c'est plus français. C'est franchement très sympa. Totalement. Il y en a un qui est censé boire de la lave. Et l'autre, je sais pas trop encore. Il y a toujours eu le bruit. Non, il n'y a pas toujours eu le bruit.
Et ça, je te le confirme, Mayuna. Hop, attends, il est où ma... Attends, là-bas, donc c'est là. Est-ce que j'ai un lac de lave? Est-ce que j'ai croisé un lac de lave, les gens? Dans mes versions, si. Ah bah, pas moi, en tout cas. Lol. Ah mais attends, je peux déjà toujours accueillir, là. Ça poussait méga vite. Ah. Ah oui, totalement. Totalement. Au pire, là, pour faire la séparation, hop. Voilà. Sur les deux, j'en aurai deux. Donc... Alors, allez. Bah, que tu gueules ou pas, tu me fais mal. Hop. Du coup, on va aller dans le Nether. Par contre, est-ce que je m'équipe au préalable ou pas? Très bonne question. Et j'ai paumé. J'ai paumé l'entrée, là-bas. C'est là-bas. Alors que ça, c'est par lui, puis là, il s'est endormi. Non, 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 je construis petit truc, j'essaie de demander du de petit truc qui pourrait être sympa, mais. On a vu ce qu'on a vu. C'est-à-dire. Mon personnage a écarté les bras. D'accord. Mais vraiment, en fait, mon personnage a vraiment écarté les bras. Non, non, mais tu te casses. T'arrêtes pas de me faire mal depuis tout à l'heure, tu te casses. Attends, je vais voir ça. Ah non, il les fait plus. Mais mon personnage a écarté les bras, on est d'accord. La concentration Roxas. Ah ouais, non, mais elle est terrible. Bah, oui. Désolé, j'ai pas de répartie. Ça va bien se passer. Hop. J'arrive pas à fermer une porte, c'est terrible. Mais c'est que tu peux nager, ça. Oui, mais attends, je suis désolé, mais là, tu vas voir quand il nage, hein. Voilà, il écarte pas les bras, tu vois. C'est ce que je veux dire, hein. Là, il nage, il fait aïe 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 aïe, tu vois ce que je veux dire, tu vois. C'était là, non, il a vraiment écarté les bras. Pour ça, j'ai écarté les bras, j'en ai même été jusqu'à. C'est pas ce que je cherche. Je cherche un lac de lave. Il y a des petits coups de joystick qui est gauche dans le coin. T'as malicieuse, on va apprendre quelque chose sur ce jeu. Ça va être terrible. J'ai hâte de voir ça. Écoute, écoute, écoute. Ah ouais. De quoi? Oh yes, malicieuse la génie. D'accord. Ah ouais, c'est génial. De quoi? Tu peux nager dans l'eau? Bah oui. Non mais nager, nager. Genre sprinter dans l'eau, quoi, si tu préfères. Ah ouais? Je ne savais pas. Mets-toi en troisième personne. Attends, là, ça fait mal aux yeux. Ah ouais! Oh, mais c'est génial! Découvre la vie. Oh, c'est le meilleur jeu! Je l'avais dit. Quoi? Mais c'est génial, il est génial ce jeu. Je peux nager dans l'eau, je suis content. C'est le meilleur jeu. Minecraft, c'est le jeu de l'année, quoi, c'est bon. C'est mon coup de cœur 2019, on peut nager dans le jeu. On se voit que je suis là, mais totalement en fait. En fait, tout à l'heure, j'aurais pu nager correctement au lieu de mourir comme une merde. C'était bon. Ah, dis-moi qu'il y a beaucoup de lave. 1, 2, attends.
putain, il n'y a pas beaucoup de lave, c'est terrible. C'est affreux. Tu vas sortir à chaque fois celui-là. Du coup, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai assez pour faire un portail. Putain, on est ici. Je sais pas pourquoi j'ai le réflexe d'appuyer sur rond pour m'enlever le sneak. Je sais pas quoi c'est dit. Du coup, on va créer le portail ici, hein, ça va être bon. Un, deux, trois. Un, deux. Ah, il manque celui-là. Yes. Parfait. Et du coup, toi. Ici. On va commencer par le haut, bien évidemment. Hop. Et hop. Allez, c'est pourquoi c'est pas normal. Dégage-toi. Non ! Bon. J'ai envie de chialer, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai enlevé ma source de lave pour faire mon portail. J'ai envie de chialer. En plus, j'ai l'obsidienne et j'ai pas de pioche à diams, quoi. RTC, c'est triste. Parce que t'as pas de diams ? Non, j'ai pas de diams. Comment t'as jugé ? Hein ? Oui, non, mais tu sais comment elle m'a jugé ? Mais qu'est-ce que t'as dit en fait ? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir de diams ? Bah, parce qu'on a miné, enfin, lui il a tracré la base, moi je suis en train de miner, mais j'ai rien trouvé. Tu regardes sur la map à gauche, voilà quoi. Non, j'ai pas de diams. Non, et puis même, on explore, on profite, on a le temps, hein. Enfin, on explore, moi je suis quand même dans le nether, hein, donc explorer. Ah, j'aurai un problème pour là par contre. Mais tu vas dans le nether sans diams quoi. Bah, et alors ? Bah, dire qu'il t'enchante même pas. Bah, non. Justement, c'est en allant là-bas ou justement avec les coffres de la forteresse, ok, je vais pouvoir m'enchanter. Oh, j'ai envie de le défoncer ce truc. Vas-y, défonce-le. Fais-toi plaisir. Là, hop. Ah ouais, il gave de trop. Ouais. Lol. Ah ouais, mais non, ça je suis pas d'accord. Tu fais pas ce que tu veux ici. Tu ne fais pas ce que tu veux ici, je te dis clairement. Alors. Tu parles à ton chat ? Non, je parle à la lave. Hey. Bon, attends, on va faire comme ça. Même si je l'ai, j'ai pas ma source d'eau. Yes. J'ai perdu ma source d'eau, c'est ce que je disais. Ah non, même pas. Nice. Ok, donc ça c'est cool. Ce que je vais faire du coup, pour réussir à récupérer le truc. Parce que je me suis très mal pris déjà dans la construction de mon bordel. Et moi, ce que je veux, c'est le mettre là. Et ben voilà, je l'ai. Parfait. Je l'ai. Tu peux te donner un truc ? De quoi ? Non, justement, si je mets en bas et que si la lave coule, elle va couler vers moi et pas dans le trou. Si elle coule dans le trou, elle pourra pas venir vers moi. C'est fait exprès, t'inquiète pas.
Surprise, c'est pas mieux. J'ai envie de le gifler. Je vais défoncer ta mère. Mais tu parles de qui là? Du putain de spectre, de spectre là qui me pousse dedans depuis tout à l'heure. Casse la gueule. Tu vas pas te faire manipuler par un. Mais il y en a trop plein. Et je peux pas les avoir parce qu'à chaque fois ils s'envolent. Pour me charger en l'air et je vais vite, je m'en vais parcourir le monde. Oh, ça me saoule là, ce spectre de mort. Il y a autre chose à faire là. Oh, je vais te niquer. Reviens, fils de chien. Ah, ah, décidément, ce spectre, c'est plus comme c'était. Je vais y aller, des bisous, bonne nuit et attention à tous ceux qui ont maltraité Anaf. Elle va venir nous hanter. Venir nous hanter, la déesse Malicious. C'est pas une déesse pour rien. Oh, oh, j'ai ce qu'il faut là, par contre. C'est cool. J'ai exactement tout ce qu'il me faut. Hop. Non, ça va faire disparaître ma source d'eau si je mets d'abord l'eau avant la lave. Non, mais les deux de lave d'abord. Mmh, tu mets les deux et tu mets. Non, mais c'est bon, de toute manière j'ai fini. Donc... Ah, mais lol, j'ai pas fait de briquet. Est-ce que j'ai l'air d'un con? Totalement. Ah, du coup, go aller chercher briquet. Par contre, ça. D'accord, merci. Voilà, parfait. Je vais. Hop. On n'avait aucune chance face à un spectre. J'ai envie de le nicher, vraiment. Apparemment, j'ai envie de le défoncer sa mère. Alors, il y a Yuna qui se fout de ta gueule. Non, mais vraiment, ça m'a saoulé, là. Enfin, elle se fout de ta gueule. Je suis en train de construire paisiblement. Putain, ça me saoule, vas-y. Mais déjà, tu l'as construit où, ton bordel? En haut d'une montagne. Parce qu'ici, il n'y a pas de spectre, rien du tout. Mais normal, c'est parce que t'as dormi un petit peu ou quoi. Mais le truc il m'attaque parce que je suis trop crevé. J'ai dormi un petit peu ou quoi. C'est mort. Non mais ça me casse les pieds. Oh. J'ai perdu tout mon stuff, bordel. Et le temps que j'aille, il va disparaître. Bah fais ça alors. Tu peux voler. Oh ça me gave. Oh ça me gave. Tu peux voler hein. Tu peux y aller. Oh ça me gave. Merci. Ah, non. Alors, où est-ce que c'était que j'ai dit ? Je crois pas, non. Je pense pas. Le bateau est là. Non, c'est faux, j'allais pas dans le groupe. Ma maison. Alors, vas-y, va sur mon compte. De toute manière, je vais voir si ça va désactiver mon stream. De toute manière, je sais que le jeu, ça le quittera pas. Mais mon stream, je sais pas si ça va le quitter. Bon, vas-y, essaye, on va faire un test. Non, faut que je retrouve mon stuff. Où est-ce que je...